Bonjour à tous, bonjour bonjour, bienvenue sur la chaîne Papy Tractor Gaming pour ce live de Car Mechanic Simulator. Alors je vais juste baisser un petit peu la musique pour moi. Je vous laisserai me dire si vous voulez que je la baisse ou si ça vous va par rapport au son de ma voix. Hop, on va récupérer le petit lien. Bonsoir le Marnet, bonsoir à toi. Et voilà, on va se l'envoyer ici. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir... Bonjour à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui viennent. Hop. Juste à modifier dans mon poste pour que ceux de Facebook qui sont intéressés puissent aussi venir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et après, on va pouvoir commencer. Hop. Hop, le petit lien. Et ça va être tout bon. On va pouvoir commencer. Alors, ah, pardon, faut que je mette le chat quand même, ça serait mieux. Salut Damien, bienvenue, bienvenue. Alors, c'est assez sympa parce qu'en fait, au final, j'avais un peu tardé, enfin, j'ai tardé à faire. Je voulais faire un live avec le DLC Jaguar, et au final, bah, j'ai un petit peu trop tardé, tellement, tellement tardé qu'au final, on a aussi un DLC Porsche qui est sorti. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant, aujourd'hui. Et par contre, j'ai ma pince qui tient mal. Oh, j'ai tout qui s'enlève. Voilà. Petit problème technique, ça faisait longtemps. Voilà. Hop. Voilà. Ah, ça y est, c'est bon. Je vous vois bien, il n'y a pas de souci. On va pouvoir lancer tout ça. Allez. Donc, on continue la partie. Je vous avais montré un peu la dernière fois, on avait fini, donc dans la vidéo que j'avais faite, on avait fini le TLX 3500. Donc il est tout fini fini, on le garde, hein, c'est un peu notre mascotte. Et là on va continuer, enfin je vais vous montrer un petit peu, vous allez me dire en gros ce que vous souhaitez que je prenne comme voiture. Parce que du coup là on a vraiment le choix, j'ai farmé un petit peu on va dire. Je me suis retrouvé avec pas mal de possibilités. Alors là, comme vous le voyez, c'est le DLC Jaguar. Donc on a une Porsche, on a des Jaguars. Et en fait, alors j'ai presque tous les modèles. J'ai presque tous les modèles. Là, voilà, le TLX, enfin fini avec même la petite barre de lumière dessus. Donc voilà, super beau. Salut Pierrouf. Super, bah, je suis bien content que tout le monde me suive et me salue. Bienvenue à toi. Donc ici, on a tout ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce que j'ai pu faire entre-temps. En fait, voilà un petit peu tout ce que j'ai aussi en parking. Donc j'ai quand même pas mal de voitures, hein. Il y a vraiment ce qu'il faut. J'ai notamment des petites surprises qu'on va, je pense, tester plutôt en fin de live. En fait, il y a ma fille qui voulait absolument une voiture, donc allez, on va aller la voir. Je lui en ai fait une, et qui est plutôt jolie, donc je vais la garder aussi, hein. Salut William! Les trophées poule, ah bah super, ouais, bah si si, non, ça en lien aussi, hein, il faut que je finisse aussi mes trophées, donc c'est cool si tu fais un peu le même défi. Donc on affiche la voiture, ça, je vous avais pas encore montré hein, le parking qu'on a là, mais il est quand même bien bien complet. Et là je me suis fait plaisir avec une petite peinture nacrée caméléon, avec voilà, elle est assez sympa cette voiture pour cet effet là. C'est au final un gros V8 avec pas un turbo, mais enfin voilà, vous avez compris, et qui fait quand même 980 chevaux, donc c'est pas rien. Et ben en fait, celle de mon fils, j'ai découvert un autre moteur qui est absolument monumental.
En fait, mon fils, il joue beaucoup à The Crew 2 en ce moment et il adore. C'est la Challenger version démon, je crois, version police. Et du coup, bah, j'ai réussi à la trouver à peu près la même et à lui faire, voilà, à peu près comme celle qu'il a dans le jeu The Crew 2. Donc, il est très content. Vous voyez qu'elle est super sympa. Et en plus, c'est pour ça que elle, on va l'essayer parce que j'ai encore pas essayé du tout. Je l'ai juste monté en puissance. Comme vous pouvez le voir à droite là, 1350 chevaux. Donc 1350 chevaux, je pense qu'on va pouvoir péter notre record de, je crois que c'est 460 km/h. Je pense qu'on va pouvoir l'atomiser. On va voir, peut-être qu'elle est vraiment trop lourde et que du coup elle pètera pas le record, parce que vous savez que le record pour l'instant, il est détenu par celle-ci. Là, DC Typhoon. Donc c'est la AC Cobra, hein. Qui est super sympa, super jolie, avec le même moteur que celle de la voiture de ma fille. Et qui, avec celle-ci, on avait fait 460 km/h avec juste 890 chevaux. Donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être quand même pas mal du tout. En termes de Jaguar, je les ai toutes. Donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer et que vous me disiez laquelle est-ce que vous vouliez qu'on répare. Alors ce qu'on va faire, on va revenir en arrière, on va aller dans la concession. Je voulais vous montrer rapidement comme ça. Je vais vous montrer un petit peu le DLC Jaguar, le DLC Porsche, et ensuite on reviendra par rapport à celle que j'ai. J'ai toutes Ah, c'est marrant que ça s'affiche que maintenant. Ah non, c'est d'accord, c'est en double. Bah William, j'avais déjà bien vu ton message. peut-être c'est un bug. Donc j'ai réussi à choper toutes les Jaguars. Ça m'a demandé quand même pas mal de sous. Et par contre, il me manque une Porsche que j'ai pas réussi à avoir, mais elle coûte très très cher. Donc je suis pas sûr qu'on arrive à la prendre. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va revendre celle que j'ai juste là. Mais d'abord, je vais vous montrer. Hop, on va aller. Hop, on retourne au menu et je vais vous montrer dans la concession directement les différentes voitures qui sont disponibles, qui viennent avec donc des pièces, des moteurs spécifiques. Et mon fils. Oula, ça bug le truc là. Ton fils, ta fille et ta femme. Ah, ma femme, non, elle, ça n'intéresse pas des masses. Ça n'intéresse pas des masses les voitures, donc j'ai pas eu à le faire. On va dans le concessionnaire. Même si c'est vrai qu'à la limite, s'il y avait des mini, mais il me semble pas que j'en ai vu, hein. Est-ce qu'il y a une mini, tiens, on va voir. On va regarder là. C'est quelque chose qui ressemble à un mini, parce que les mini Cooper, c'est une. Ah, bah si! Ah, bah bon, bah voilà. Si, je suis bête en plus. Bah écoutez, je lui ferai une Mini Cooper surboostée pour la prochaine fois. Voilà. En termes de Jaguar, le DLC Jaguar, on va se retrouver avec 4 voitures. On va voir la E-Type, la F-Type, la XJ220 et la XJS. Elles sont vraiment très jolies. Moi, j'ai un gros faible pour la F-Type. Je la trouve très très belle. Et je les ai toutes. Donc voilà, donc il y a celle-ci. Vous me direz à chaque fois celle que vous préférez. Entre les Jaguars et les Porsche. Et puis on essaiera de voir laquelle est-ce qu'on va retaper. Donc voilà un petit peu la E-Type qui est vraiment vraiment très sympa. Voilà, alors en termes de moteur, voilà, on a quelque chose de très joli, hein. C'est un 6 cylindres en ligne, hein, comme on peut le voir avec les deux collecteurs de 3 cylindres chacun. Mais voilà, c'est vraiment très 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 sympa. Une belle tête à l'ancienne, quoi. Plutôt old school. Si on passe maintenant. À chaque fois, il faut revenir en arrière, ça c'est pénible. Il faut recharger, etc. C'est assez rapide quand même, mais bon. On a maintenant, donc comme je l'ai dit, la F-Type, qui est sublime, absolument sublime. Moi, je la trouve vraiment super racée et tout, même si elle est. Enfin voilà, elle fait bien voiture James Bond, quoi. Pour ça que je la trouve vraiment très très jolie. Hop là, on a un moteur, je crois que c'est un 6 cylindres aussi, j'ai du mal à voir. Mais qui est plus compact. Donc ça va être c'est peut-être un V6 qu'on a là-dessus. Alors est-ce qu'on arrive mieux à voir comme ça? Ah bah non, c'est un V8. On est 4 d'un côté, 4 de l'autre. Ouais, c'est un V8. Donc on a un V8 super compact, très très sympa. Donc ça aussi, ça doit être plutôt pas mal. Et quand on va passer. Donc la XJ220 qui est un monstre, hein, qui bombarde aussi, hein, qui va pratiquement à 1000 chevaux quand on la monte complètement de partout. Voilà, celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est monumentale. Et en plus avec les ouvertures, enfin la position arrière pour le moteur, on est sur quelque chose de très 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 joli. Donc avec un V6 aussi.
cette fois-ci. Voilà, beau V6 Jaguar. Donc voilà, ça c'est les trois premières. On a également. Alors est-ce qu'on peut pas changer? Non, ah non, ça c'est pour voir quelle tronche elle a quand elle est abîmée. Oh, c'est dommage qu'on puisse pas changer. Ah si, est-ce que c'est là, changer de voiture? Mais oui, que je reviens en arrière pour rien, moi. La Jaguar XJS, donc ça c'est la version old school mais plus rustique. Tu vois qu'on avait vraiment années 60 un peu racé. Là pour le coup c'est plutôt allez, pour aller chercher le pain mais avec classe. Voilà, la classe britannique. Où là pour le coup, salut Timouche. On a aussi un gros moteur. On a un V12? Attendez là, je. Là je bug un peu là. Ça va et toi? Alors tu votes pour la Jaguar? Attends parce que je t'ai pas encore montré les Porsche. Parce que peut-être du coup tu as préféré les Porsche. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on a un V12 dans celle-ci. Donc ça pourrait être pas mal aussi. Elle cache un petit peu son jeu. Elle cache un petit peu son jeu. On a. Donc ça, c'est les Jaguars. Maintenant, au niveau des Porsche. Donc là, vous avez Nissan. On a les Porsche. On en a 4 aussi. On a la 911 Turbo S. Ça, je l'ai. La 911 RS America. Je l'ai aussi. La 911 Carrera 4S. Ça, c'est celle que j'ai pas. Mais peut-être qu'on peut arriver à la trouver si vraiment c'est celle que vous voulez. Et j'ai la Carrera GT aussi, que ça j'ai, qu'on peut faire réparer. Alors, l'intro de la vidéo, ça j'ai déjà eu des questions, pas mal de questions. C'est la seule chose que je partagerai pas malheureusement. C'est-à-dire que si tu peux chercher, j'ai tapé sur Google, j'ai cherché intro YouTube, et en fait tu trouves, t'as des sites qui te permettent de les faire et qui sont payants. Mais voilà, comme c'est quelque chose qui est pas custom complètement, j'ai pas trop envie non plus que tout le monde ait la même intro que moi. Donc ça par contre c'est bien la seule chose que je partagerai pas, je suis désolé. Mais tu peux arriver facilement à trouver, moi ça a un peu pris longtemps hein, pour trouver le site, et puis voilà, t'as plein de sites comme ça en fait. Même si tu veux, tu peux taper top 5 meilleurs intro YouTube, et puis tu devrais pouvoir trouver. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez. Merci, c'est gentil, Timou, je comprends. C'est pas tout le monde aussi compréhensif que toi, donc c'est sympa, merci. Est-ce que vous préférez déjà Porsche ou Jaguar? Et est-ce que vous en avez une que vous préférez parmi toutes celles-ci? Parce que là, on est quand même sur de la très très belle voiture aussi en Porsche. Hein. Là, on est sur la Porsche plutôt old school 911. Ça rappelle tellement de souvenirs, ça, franchement, c'est absolument magnifique. On a la version America, voilà, qui est aussi très très belle. Si on ouvre un petit peu tout ça, on a toujours le moteur, gros moteur en position arrière, hein, le flat de chez Porsche. Enfin, enfin, honnêtement, j'ai vraiment envie de passer d'essayer une Porsche parce que j'ai pas encore testé. Mais si vous préférez un Jaguar, hein, dites-le moi. Et là, voilà, la Carrera GT, donc vraiment. Non, pardon, Carrera 4S, donc ça c'est beaucoup plus récent. Iconique aussi, mais plutôt, voilà, beaucoup plus récent, moins qu'avant, avec des protections, on voit même pas l'intérieur. On voit même pas, laissez-nous voir le moteur. Et là, on va avoir la dernière qui est la Carrera 4 GT, donc qui est un petit peu un missile, hein, comme on peut le voir ici, et qui est absolument magnifique aussi. Voilà, donc celle-ci je l'ai en plus, donc si vous voulez qu'on la fasse, ça sera assez rapide pour s'en occuper. Donc je vous laisse choisir, dites-moi ce que vous souhaitez. Entre-temps, ce que je vais faire, c'est je vais retourner sur ma partie. Donc déjà, je veux que vous me disiez, parmi les 8 qui sont là, on n'est pas beaucoup, mais bon, au moins comme ça, vous êtes sûr de pouvoir avoir ce que vous voulez. Dites-moi si vous préférez Porsche ou si vous préférez Jaguar. Et puis après, on va partir de là. Mais traînez pas trop, quoi. Hop, sachant qu'elles sont dans des états, mais délabrés de chez délabrés, hein, parce que je vous ai pas encore montré, mais je les ai pris, je les ai trouvées à la casse, enfin pas à la casse, j'ai trouvé aux enchères, et du coup elles sont vraiment en état pas possible. Ce qu'on va faire, c'est ces deux-là. Salut Damien, bienvenue, bienvenue. Ce qu'on va faire, c'est que ces deux-là, on va les vendre tout de suite. Alors j'ai pratiquement rien fait, hein. Je crois que j'ai retapé un peu la carrosserie, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de récompenses, mais parce que voilà, vous savez que ici. On s'amuse pas à revendre quelque chose qui est déjà en bon état. On veut partir du début de A à Z. Vraiment de A à Z. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez que je fasse une Porsche? Donc vous voyez un peu l'état de cette Porsche qu'on a là. Et elles sont toutes pareilles. Hein. Si on va hop, sur le parking, c'est les autres, elles sont sur le parking. Jaguar, toutes les Jaguars. Il n'y a que la F-Type, je crois, qui est en très très bon état. Toutes les autres, elles sont absolument défoncées. Allez, on va l'amener au garage, celle-ci aussi. Voilà, on va en amener une autre aussi. Vous me direz, dites-moi bien celle que vous souhaitez.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer? Je crois que c'est la E-Type. Ouais, celle-ci. Hop, on l'amène au garage. Et une dernière Jaguar, et après... Ou non, peut-être qu'on va aller voir déjà... Porsche 911 pour William, donc c'est un des premiers... Regardez un peu l'état. Regardez un peu l'état dans lequel elles sont. C'est vraiment... Il va falloir les taper complètement. Complètement, complètement. Donc Porsche 911 pour William. Est-ce que quelqu'un d'autre me dit autre chose? En attendant, on va faire un petit tour aux enchères, histoire de voir si on arrive à choper une Carrera 4S. Si c'est possible. Mais sinon, on partira avec la Porsche 911. C'est laquelle, toi, qui te plairait, du coup? C'est la RS America ou la 4S? Ou la Turbo? William. Alors, est-ce qu'on voit... Alors, Porsche 911 aussi pour Damien. Ah, vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir. Maintenant, il faut juste me dire... Vous voyez, la Carrera 4 GT, elle y a encore, mais il n'y a pas, on n'a pas l'autre. Et en défoncé, là, on a une Jag... là on a encore donc là la America puis c'est tout ouais donc non on n'arrivera pas à la voir donc Porsche 911 laquelle 911 RS ou 911 Turbo je sais pas du tout laquelle est la plus puissante honnêtement j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée soit on va amener les deux à l'intérieur, et puis vous me direz en fonction, je dirais un ou deux, vous choisirez celle que vous souhaitez. On va faire comme ça. 911 turbo, allez, c'est parti, 911 turbo. On va prendre celle-ci. 911 turbo, allez, c'est parti, noisette aussi, elle dit 911 turbo, donc on va prendre 911 turbo. Hop! Et bah, c'est celle qui était déjà dessus. Salut Bozo Game, bienvenue. Alors, est-ce que tu l'as essayé toi les deux? Est-ce que tu as essayé les DLC là? Enfin, Jaguar, oui, je sais, mais est-ce que tu l'as eu le Porsche? Donc là, c'est laquelle celle-ci? C'est la RS. Ouais, ça c'est la RS. Et ça, c'est la Turbo. Donc on part sur la Turbo. C'est parti. Bah écoutez, allez, on va faire comme d'habitude, hein. Donc on enlève tout. Elle est vraiment dans un état horrible, absolument horrible. Mais bon, c'est ce qui est bien, quoi. On va pouvoir la ramener à la vie. On va pouvoir utiliser un petit peu aussi toutes les versions, enfin toutes les choses un peu custom. Oh purée, l'état du truc. Qui nous ont été donnés. Au moins là, on va vraiment partir de zéro, quoi. Là, il n'y a pas de question à se poser. On va tout racheter. Et ça sera très très bien. On va changer aussi. Pouf, il manque aussi des sièges, il manque de tout. C'est... Ah, on peut arriver à... Ah ouais, puisqu'il n'y a pas de portière, on arrive quand même à rentrer dedans. Alors ça, c'est le bon plan, ça. On se met... Ici, hop, on enlève tout ce qui est à l'intérieur aussi. De toute façon, tout doit disparaître. Voilà. Hop, on se remet en mode normal. Ce que je vais faire, déjà, ce que je vais faire, je vais enlever toute cette rouille là, parce que ça me stresse, ça me va pas. Allez, hop, Turbo S, on est là. Voilà, 2250 euros, un petit peu de magie, des étincelles. Et ah voilà, là ça fait quand même du bien. Là c'est quand même mieux. Ah franchement, ça me fait vraiment plaisir. Tu vois, autant le DLC Jaguar, j'aimais bien, mais ça me ramenait pas trop de souvenirs ou quoi. Autant là, le DLC Porsche, je sais pas, je trouve ça super nostalgique quoi. Une Porsche 911, mais c'est. Alors j'en ai jamais eu, hein, évidemment, mais c'est mon enfance quoi. C'est ce qu'on voyait dans les films quand j'étais petit. Donc c'est. Ouais, c'est vraiment trop 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 génial. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Ouais, ça on peut l'enlever. Par contre, là, il va falloir qu'on lève pour l'autre. Bah, de toute façon, on va la désosser complètement. On va tout enlever. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Je le prends pas, le DLC Porsche. Ah, ok. Ah, ça marche. Ouais, je comprends. Dans ce cas-là, je comprends tout à fait Bozo Game. Hein, si c'est le même. Parce que c'est vrai qu'il me semblait qu'il était déjà sorti sur le 18, effectivement. Mais ouais, si c'est le même, qu'ils ont rien fait de plus, ça c'est dommage. Et ça se comprend, on comprend aussi pourquoi il est sorti aussi rapidement après le Jaguar. Mais en fait, honnêtement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le Jaguar est sorti et les gens ont dit, mais on veut du Porsche, on veut du Porsche. Ils ont dit, ok, bah voilà, le Porsche, c'est la même chose. Mais voilà, moi en tout cas, qui n'ai jamais joué au 18, ça me fait vraiment plaisir. Et je suis curieux de voir un peu
ce qu'il y a comme, comme moteur, en fait. C'est surtout ça, moi, qui commence à m'intéresser, hein, quand tu commences à rentrer dans le game, comme ça, là. Iceman, oui, il est tout à fait sur PS4. Là, moi, je suis sur PS5, mais en fait, c'est un jeu PS4. Donc, c'est pour ça que même dans tous les chargements, vous allez voir qu'il y a écrit PS4 dessus. Parce qu'en fait, c'est le jeu PS5 qui a pas été mis à jour pour PS4. Salut Arnold, bienvenue. Alors là, il faut que je monte la voiture. Donc, on va le faire. Et puis à l'avant, il n'y a plus rien de toute façon. Si, encore un petit peu. Bon, on va lever la voiture de toute façon. Il y a bien besoin. Hop là. Et on va avoir l'avantage en fait quand on prend des voitures qui sont aussi pourries, c'est qu'au final, il n'y a pas grand-chose à faire pour les démonter. On va arriver rapidement à zéro. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Hop là. Pourquoi? Ah oui, attends. Il doit y avoir. Ouais, celui-là, il est pénible le roulement. Lequel? Bah, je suis sur celui que je joue là, Car Mechanic Simulator 2021. C'est sur console, donc PS4, PS5, etc. Et effectivement, ouais, comme tu dis, Bozo Game, ils l'ont sorti. Moi, je me disais, allez, ça y est, on va devoir attendre encore 4 jours avant qu'il arrive sur console. Et en fait, non, il est sorti en même temps que sur PC. Et bah, en fait, tu m'as donné la réponse. C'est parce que c'est un DLC qu'ils avaient déjà, en fait. Donc, ils ont juste eu à le convertir pour le 21. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pu sortir en même temps. Donc, ça, voilà. C'est peut-être l'avantage aussi, quand même, qu'on a par rapport à ceux qui n'étaient pas avec le 2018. Mais voilà, ouais. Donc, on l'a sur console et c'est plutôt cool. Au niveau du prix, il n'y a personne qui me l'a demandé. Alors, du coup, c'est un peu abusé. Ouais, c'est vrai que si, en plus, il avait déjà tout prêt. Donc, le Porsche, il coûte 5,99 €. Bah oui, forcément du flat 6 et du V10. Ah ouais, mais le flat 6, moi, c'est ce que j'attends. Et c'est ce qui. Je pense que c'est celui qui est là, avec celle-ci. Le bon vieux flat 6, tellement iconique de Porsche. Donc 5,99 € pour le DLC Porsche et 4,99 € pour le DLC Jaguar. Voilà. Donc il me semble que c'est genre 1 € de plus que sur PC à chaque fois. Donc, ouais, bon, ça c'est aussi des trucs, ils étaient pas obligés quoi. Ils auraient pu le mettre au même prix. Mais bon. Hop là. Voilà. Le style en bloc. Donc là, il en reste combien? C'est pareil, ça c'est sympa quand il n'y a plus rien. Bah, tu vois, il n'y avait qu'un seul. Du coup, je peux virer la traverse sans problème. À l'arrière, qu'est-ce qu'il nous reste? Hop. On va voir ça. Je vais juste virer après la. C'est ça la mise à jour DLC Porsche. Alors, c'est pas la. Alors, effectivement, il y a eu une mise à jour. Je l'ai vu hier soir. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait le DLC qui était disponible. C'est parce que mon jeu s'est mis à jour. Et la mise à jour est pour que ça puisse être compatible avec le DLC. Mais le DLC, il est payant, hein. C'est le DLC Porsche qu'on doit acheter à part, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas évident. Mais bon, c'est la mode en ce moment, les DLC payants comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné, Car Mécanique. Enfin, de ce que. De ce que je sache. Hop, on va chercher. Il est là-bas, le trépied. Turbo S. C'est parti. Et l'autre, elle est pas dans un bien meilleur état. Hein. Franchement, c'est un peu un carnage. Hop. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié la vidange, évidemment. En même temps, ils vont me demander la vidange, je suis sûr qu'il va y avoir 2 gouttes d'espèce d'huile noire ultra dégueu. Ça va pas être folichon, folichon. Hein. Voilà. Voilà, exactement. Ah, je suis devant. En même temps, prends l'habitude un petit peu à force. On descend tout ça. Ah, mais ça, c'est franchement, c'est forme, quoi. Mais c'est, ouais, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Porsche, ils ont vraiment réussi à donner enfin, une vraie marque, quoi. Quelque chose qui est reconnaissable, qui est universel, quoi. Porsche, Ferrari, tout ça, il y a beaucoup de monde qui connaissent. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme type de moteur dedans? Parce qu'on va vraiment pas s'abuser. Je pense que honnêtement, je vais même pas m'amuser. Ah, il n'y en a qu'un seul. Bon, bah écoutez, si, alors, on va le démonter, on va le réparer. Salut Damien, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Hop. Mais il est défoncé, quoi. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ah, il y a les bielles directement. Ah, ouais, c'est un flat. D'accord. Ah, oui, alors attends, oui, non, il est pas dans le bon sens là.
Voilà, là il est dans le bon sens, ok. Donc flat 6, donc vous voyez les 6 pistons à l'horizontale, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Première fois du coup que j'essaie de démonter. Alors qu'est-ce qu'il faut que je démonte? Est-ce qu'on a ça bougé? Non. Salut David. Par contre, dans la case, la vente en chair envoie une Bugatti. Ah ouais! J'espère que sortira un DLC Bugatti. Ouais, ça serait sympa ça. Ça serait super sympa après Lamborghini. Ça serait vraiment cool. Alors, hop, on va enlever déjà tout ça. Et t'as vu ça où? Dans la case de la vente aux enchères. Ah, dans la case. Ah oui, ok. Ok, ouais, tu vois, j'ai même pas fait gaffe. J'ai pas pensé à regarder. On pourra y faire un tour tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que ça va? Salut Yann, bah ça va et toi? Qu'est-ce qu'il veut pas? Est-ce que c'est les pistons d'abord? Non, bah non. Est-ce que c'est cette partie là d'abord? Ah bah oui. Salut karting 270 CC. C'est précis hein, comme karting. Alors, hop, on peut enlever l'arbre. On peut enlever les... Ah c'est marrant, du coup. Ah, on peut enlever les segments. Waouh, ça c'est une des premières fois qu'on arrive à le voir. Ah bah c'est cool ça Yann, si ça va super bien. Génial, génial. Hop, on enlève ça. Vous avez vu un peu toutes les nouveautés là qui sont sorties sur FS22. Moi c'est trop trop bien, je suis vraiment trop content. Ils nous gâtent vraiment beaucoup. Salut Sylvain, bienvenue. Et bah ça y est, ça se remplit un petit peu. Bienvenue, bienvenue. Moi je suis vraiment content de toutes les nouveautés qu'ils nous ont montrées là. Je trouve ça vraiment super sympa. Pour FS22, on va encore en avoir pas mal. Hein. Je pense qu'ils vont pas chômer là sur la dernière ligne droite, là sur le dernier 11 jours qui reste. Ça va être assez énorme. Ça va être juste, ouais, juste monumental en fait. Là, je peux l'enlever celui-là. Non, toujours pas. Ah oui, non, bah, il est bloqué. Donc je peux peut-être enlever celui-là ou faut que j'enlève. Ah oui, d'accord. Donc là, je peux enlever celui-là. Hop, celui-là aussi. Ah bah t'es pressé, je crois qu'on est tous pressés pour jouer à FS22, mais tellement. Et là, faut enlever ça, ok. D'accord, je commence à comprendre un petit peu comment fonctionne ce moteur. Mais tellement, en plus, enfin, c'est vraiment, moi j'ai vraiment la hype, j'ai vraiment déjà des idées de vidéos, des idées de challenge un petit peu qu'on peut avoir, donc ouais, c'est vraiment, j'attends que la sortie là, avec impatience. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Hop là. En parlant de... Enfin, juste par rapport au live de farming, le prochain live farming, Platinum Farming, ça sera la semaine prochaine et je le ferai un peu plus tôt, je le ferai vers 18h30. Parce qu'il y a d'autres lives par la suite de youtubeurs beaucoup plus gros et donc j'ai pas envie de... Voilà, si vous avez envie d'aller les voir, vous pourrez les voir sans avoir besoin de choisir. Hop. Voilà, allez, on répare tout ça. Ça va être pas mal. Il va nous manquer quand même beaucoup de pièces. Hein. Heureusement que j'ai du cash. Que je me suis permis de faire quelques jobs avant. J'avais même récupéré une Lamborghini au cas où on aurait besoin de cash. Parce que Lamborghini, elle rapporte tellement quand tu les refais de zéro. Elle se revend 240 000 euros en fait. Et c'est juste monumental. Pourquoi? Parce que généralement tu peux les avoir. Oh là là. Bon, désolé pour le casque qui a sauté. J'ai encore des problèmes de casque. Franchement, ça commence à me prendre la tête. J'espère que ça va pas se reproduire. Ce serait top qu'ils mettent les mods pour console, sur console pour CMS. Bah ouais, carrément. Ouais. Franchement, ça serait vraiment bien. Ça serait qu'ils mettent un espèce de mode hub avec par la suite ça. Mais en plus, ça augmenterait tellement la durée de vie du jeu. Donc c'est. Ouais, ça serait bien. Tu vois, j'espère qu'ils le comprendront. Qu'ils disent pas non, on veut absolument privilégier nos DLC, etc. Au bout d'un moment, les gens, ils achèteront plus le jeu, enfin, ils vont plus continuer à jouer, alors que si tu mets des mods, on le voit bien avec Farming, hein. Avec les mods, c'est ça qui fait que le jeu dure aussi longtemps et qu'il est aussi intéressant. Puis vous imaginez comme ça serait énorme si... de pouvoir, genre, réparer un Dots ou quelque chose comme ça, ça serait trop trop bien. La XJ aussi, ouais, tout à fait. La 220.
Mais ce serait trop bien. Tu répares un Fendt sur Kamiya Mécanique, ce serait trop trop bien. Après, peut-être qu'il y aurait juste le problème de par rapport au pont en fait. Peut-être que là, soit ça passerait à travers, soit il faudrait peut-être revoir à la baisse un peu la taille des tracteurs, ce genre de choses, mais ça serait super marrant. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'ils aient pas fait encore de tracteur mécanique simulator ou de voilà de d'engin agricole mécanique simulator. Il me semble pas qu'il y en ait. Parce que je pense que ça pourrait bien marcher. Je sais qu'il y a un rover mécanique simulator, il y a un tank mécanique simulator aussi, qui peut être sympa. Oh là là, j'ai mon chat qui fait n'importe quoi. On saute pas sur le PC, ça se passe pas comme ça. Alors, ça y est, on recommence. Alors, donc le vilebrequin, de toute façon, on le prend comme ça, parce qu'on l'aura pas en version tuning, hein, parce que bien évidemment, on va tout mettre en version tuning. Alors, avant de faire n'importe quoi, on va virer tout ça, parce que là, il y en a trop. Voilà, et là, on va recommencer. Hop, des pistons. Le filtre à carburant. Ça, on va en prendre, bien sûr. 6, on va se prendre aussi bon, la dernière vidéo de la map française. Ouais, elle est sortie aujourd'hui et elle est super belle. Salut Patrice, salut, bienvenue, bienvenue. Mais ouais, elle est absolument magnifique. Magnifique, magnifique. Je sens que ça va vraiment être très, très, très joli et je me demande sur laquelle je vais jouer au final à la sortie. Parce que voilà, les deux qu'on a montrées pour l'instant, elles sont juste sublimes. Maintenant, du coup, j'ai la hype aussi pour Erlengrat, en fait, voir ce qu'ils ont fait au final avec, qu'est-ce qu'ils ont amélioré par rapport à ce qu'on a maintenant sur FS19, parce que je me dis qu'on peut avoir quelque chose de bien sympa aussi. Je pense que vraiment, je sais pas si vous avez bien fait attention, mais le clipping qu'on voit dessus. Ah oui, le Motorbike Mechanic Simulator aussi, mais c'est pareil, celui-là, il n'est pas sur console non plus. Il y a une distance d'affichage qui est très très grande, on voit vraiment tout ce qui est au loin sans aucun problème et ça c'est trop bien. Pour l'immersion c'est trop trop bien, ce qui fait aussi qu'ils ont pu mettre des contours de map qui sont très très beaux aussi et que moi je trouve super beau, super intéressant. Donc déjà avec le contour de map de Erlengrat, avec le train qu'on voit au loin, avec le pont, je le trouvais vraiment très beau. Là, avec les ajouts graphiques, etc., Erlengrat, elle va être sublime. Vraiment sublime comme map. Et j'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment hâte. En plus, c'est sûr qu'il y aura la fromagerie, la chocolaterie qui seront des usines de production. J'espère qu'ils vont aussi mettre la possibilité de dormir à l'hôtel. Ça serait vraiment bien. Ou au moins qu'on puisse acheter l'hôtel. J'espère qu'ils nous ont écoutés là-dessus. Ça, je sais pas. Mais franchement, j'espère, on verra, hein. Mais voilà, je sens que même Erlengrat, ça va pas être un choix. Ouais, non, ça sert à rien quoi. Ça va vraiment être une vraie troisième carte. Et donc, ça, j'ai hâte aussi. Alors, donc là, c'était bloc moteur. Ça, c'est pareil, à mon avis, on les aura pas, ces blocs moteurs en tuning. Voilà, non, ça va être de base. Je suis pas sûr qu'on arrive à en retirer énormément, énormément de chevaux. Hein. Je suis pas convaincu. Alors, carter de distribution, les cylindres. Oh, ça c'est trop bien. Ah, à l'ancienne quoi. Oh là là, comme c'est génial. Comme c'est génial. Hop, et l'autre cylindre ici, la poulie. De toute façon, on a rien du tout là. Distributeur d'allumage, ça aussi, ça va tout être du custom. Hop, le volant moteur aussi. Alors, on va déjà pouvoir. Alors, on enlève tout ça. Attendre pour acheter saison de passe FS22. Ouais, bah écoute, tu fais comme tu veux, Damien, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je pense que je vais le prendre dès qu'il arrivera, donc le 22 novembre. Parce que de toute façon, je vais tous les acheter, moi, les DLC, c'est sûr. Mais bon, je comprends aussi. Hein. Je pense que je comprends tout à fait qu'on puisse se dire, bah je vais attendre. Ça fait quand même 38 euros sur console. Hein. Donc, je vais peut-être attendre de voir ce qu'il donne avant de prendre le Season Pass. Patrice, c'est le moteur, c'est un flat 6 pour la Porsche. On est avec le DLC Porsche sur Car Mechanic Simulator. Donc c'est une Porsche 911 Turbo. Et du coup, on a le flat 6 et c'est trop bien. Moi, je suis vraiment trop trop content. Oh, c'est nouveau ça aussi, cet embrayage. Waouh, c'est quoi ça? Embrayage V10. Oh, V10. Ah bah ça va être pour le V10 de la Porsche. Donc c'est laquelle ça, Bozo Game? C'est peut-être pour la Carrera G4, non? Qui doit avoir un V10, c'est sûr.
Donc c'est voilà, bah c'est trop bien. Trop trop bien. Alors c'est sympa du GeForce 22, je viens de le dire, mais il y a peut-être eu un effet de latence. Il est à 30. Il me semble que c'est 38 euros. 38 euros le Season Pass. Sachant que si tu prends. Si tu prends. Qu'est-ce que je veux dire? Sur PC, il est un peu moins cher en ce moment. Sur PC et Xbox, parce que tu peux le précommander. Si t'attends la sortie, après, ça sera le même prix. Mais sur PS4, en fait, PlayStation a refusé. C'est bizarre, hein, mais bon. PlayStation a refusé d'avoir. Patrice, essaie de faire la mise à jour. Parce que normalement, je pense que si, ça va être sorti sur tous les supports. T'es Car Mechanic Simulator 2021. Hein. Ouais, la mise à jour, elle est sortie hier sur PS4, PS5. Qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, Sony, ils se sont dit, en fait, comme le jeu FS22, il sort le 22 novembre, vous n'avez pas le droit d'avoir un Season Pass qui sort avant avec une réduction. Si vous voulez le sortir avant, il faut que ça soit le plein tarif. Et donc, du coup, Giant se dit, non, c'est pas juste par rapport aux autres. Et du coup, on le sortira. Ça sert à rien de le précommander si c'est au même prix. Et donc, on le sortira le jour même sur PlayStation. Donc voilà, Sony, un peu près de ses sous, je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est dommage qu'ils aient pas accepté. Pas de soucis. Ouais, donc c'est Carrera GT, tu me confirmes, Bozo Game. Ok. Elle va danser du. Ah bah j'espère. Ah bah ça me fait plaisir ça. Ça me fait plaisir. Parce que jusqu'à maintenant, les voitures de DLC, en fait, j'ai trouvé que tu pouvais pas non plus les faire aller aussi loin. Ah tiens, j'ai oublié d'acheter ça. Tu pouvais pas les faire aller aussi loin en chevaux que ce qu'on avait en termes de gros V8 en fait. Pour l'instant, c'est les V8 américains qui défoncent tout en termes de chevaux. La Challenger là que j'ai montré au début, je l'ai montée à 1350 chevaux. On la refera après, mais. Alors. On se trompe pas. Ça je l'ai fait. Bloc moteur, il y est pas. Cutter distribution, il y est pas là-dedans. Les cylindres. Ah, les cylindres, ils sont. Allez, 6 cylindres en inox. Tube, ils y sont pas. Pas non plus. Poulie, ça y sera pas. Par contre. Ah, ça y est pas le distributeur d'éléments. Alors ça, je suis surpris. Alors ça, je suis vraiment surpris que le distributeur d'éléments n'y soit pas. Tu vois, ça, c'est un des trucs. Tu vois, regarde, distributeur, alternateur, tout ça, c'est des trucs que normalement tu les as en tuning. Eh bien, comme c'est un spécial pour Porsche, tu l'as pas en tuning. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Bon, la pompe de direction assistée, qui ramène à 1,5. Bon. Et tout ça, c'était bon. Donc, on va pouvoir l'enlever. Hop, hop. Et le reste. Ouais, c'est ce que je pensais, hein, t'iras pas aussi loin que le V8. C'est dommage! C'est dommage. Mais bon, voilà, je pense que c'est parce que c'est des pièces Porsche. Ça, logiquement, il y a 6 de tubes. Voilà. Donc, le côté droit, le côté gauche. La poulie. Distributeur d'allumage, ça va être dans l'électronique. L'alternateur aussi. Hop, composant électronique. Distributeur d'allumage, on l'a là. Mais voilà, parce que c'est Porsche, donc Porsche, je peux pas l'avoir en tuning. En fait, c'est que sur les pièces qui sont pas estampillées Porsche que tu peux avoir des versions tuning. Enfin, c'est ce que j'ai vu pour l'instant. Ou alors, peut-être qu'ils mettent plus longtemps à le sortir. Ah, est-ce que la culasse, on va la retrouver? Ça m'énerve vraiment ce problème. Je sais pas si vous avez vu, mais. En fait, j'ai mon. Il est tout bien comme il faut, hein, mais il se déconnecte de temps en temps. Et je sais pas pourquoi, et ça m'énerve. Je vais le renvoyer. Je suis pas content de ce casque. Alors, culasse, du coup, on va en avoir 6 aussi. Donc, ça, par contre, c'est cool. D'accord. Ah oui, puis 3% à chaque fois. Donc, ça va être pas mal. Hop, on se met un peu sur la vue comme ça. Fouah, c'est joli, hein. Tout en inox là. C'est vraiment vraiment sympa. On va avoir droit aussi aux petites bougies qui vont être aussi tuning. Alors ça fait bizarre d'y être tuning parce qu'au final nous c'est pas vraiment ce qu'on dit comme je sais pas renforcer, améliorer, performance plutôt. Ça serait plutôt. Ils auraient dû l'appeler performance plutôt que tuning. Ça aurait quelque chose qui aurait mieux collé en fait. Mais ce flat là, mais il est magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Moi ça me plaît vraiment quoi. Là je suis. Je trouve ça trop trop beau. Un arbre à cam.
la direction assistée, on va pouvoir la poser. Voilà, l'alternateur, est-ce que je l'ai pris? Oui, donc pas en version custom. La poulie, c'est bon aussi. Est-ce que j'ai vu ton commentaire? Qu'est-ce que tu m'as dit, mon bien Damien? Cool, si les saisons de passe est moins cher. Oui, mais ça, c'est... Alors, il est moins cher, ça dépend. T'es sur quelle plateforme, toi, Damien? Ah, peut-être que les têtes distributeurs, elles seront... Ouais, non, c'est aussi du Porsche, donc ça, je pense pas que ça sera. T'es sur PS4. Donc, si t'es sur PS4, ben, du coup, il sera pas moins cher. Ton Season Pass, tu l'auras pas... avec une réduction, ce sera à 38€ et tu pourras l'acheter que à partir du 22 novembre. Donc à la limite, si tu veux attendre la sortie du premier DLC, ça se comprend tout à fait, hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt au final à l'acheter tout de suite. T'attends la sortie du premier DLC pour voir si ça vaut le coup pour toi ou pas. Et pour la suite. Alors, hop, est-ce que... Tout ça, on l'a. Alors, culasse, c'est quoi ça? Non, oui, c'est ce que je viens d'acheter. Bougie d'allumage, oui, ça on en a. Et du coup, on va en avoir 6. Très bien. Nos petites bougies iridium. Les collecteurs. Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon, c'est deux fois le même. Collecteur en inox aussi. Tellement beau. Arbre à cam. Oh, ça, c'est génial. Du coup, il va y en avoir 2, je pense. Farming Center, pré-order edition, plus... C'est quoi ça, My Staps Education? Ah, je sais pas ce que c'est ça, je connais pas, c'est un jeu et non, ouais, ça par contre... Ah oui, alors, oui, d'accord. Bah je l'ai pas vu ton message là, disant que c'était à 49€, bah je sais pas, il est peut-être pas apparu. Ah t'as peut-être raison Bozo Game, on va voir. Salut Seb. Qu'est-ce que tu me disais? Le Season Pass. Alors, faire attention, parce qu'effectivement, il est moins cher que le Season Pass qu'on a eu sur, pour FS19, mais le Season Pass qu'on a eu sur FS19, je sais plus où j'en suis, attendez, on va poser tout ça. Le Season Pass qu'on a eu sur FS19, ah bah j'ai acheté 3 fois, super. Il est, en fait, c'était un Season Pass complet, alors que là, on est sur du Season Pass... 1 an. Donc faites bien attention à ça. Du coup, au final, on n'est pas gagnant. Hein. On n'est vraiment pas gagnant. Et t'avais raison, il y en a 2 par cylindre. T'avais raison, mon ami Bozo Game. On n'est pas gagnant. Hein, parce que du coup, ça veut dire que pour la première année, donc pour les 4 premiers DLC, dont une map, ce qui est quand même pas mal, vous allez devoir payer le Season Pass Year One, qui est à 38€. Et pour la deuxième année, ça sera de nouveau la même chose. Vous aurez de nouveau 4 DLC, je pense, avec aussi une map. Et vous devrez payer le Season Pass Year 2, donc aussi à 38€. Donc là, pour le coup, Giant, ils sont en train de faire un business model qui... Bon, ça se discute, quoi. Ça se discute, mais... On achètera, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'achèterai, mais bon. Voilà, c'est la seule chose qui est un peu regrettable avec toutes ces annonces-là, je trouve. C'est qu'ils aient choisi de partir... sur ce business là. Bah oui, du coup il n'y en a plus, donc ça faut en racheter. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va... Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je voulais mettre ici? Je l'ai pas. Allez, on va... Parce que là je vous parle et du coup je m'embrouille un tout petit peu. On va enlever tout ça. Et on repart à zéro. Je sais que toi, Bozo Game, t'as une autre technique qui marche très très bien et je suis tout à fait d'accord. Je l'avais utilisé aussi. Mais là pour le coup, quand je vous parle en même temps... C'est quand même plus simple pour moi de le faire au fur et à mesure, parce que bah, de toute façon, même si je m'embrouille, comme ça, je m'embrouille pas tant que ça. Hop là, alors, on va repasser dans le tuning, et on va essayer de voir le turbo. Évidemment, il y a le turbo. On va avoir aussi... Non, ça voilà, ça c'est dans électronique, ça c'est quelque chose de classique. Et par contre, nos bougies d'allumage, ça, on va les prendre. Et donc, on a dit, il nous en faut 6, parce qu'on avait 12 bougies. Donc ça, par contre, ça va être vraiment pas mal. Ça va être pas mal. Ça va permettre de booster un petit peu plus. Roue dentée, ça se trouve ici uniquement. Les roulements, on en a 2. Et on va prendre, on a dit, au niveau de l'électronique. Donc, dans l'électronique... Hop, on a
Route, non, c'était. Voilà, c'est ça. Et donc ça, on en a deux. Voilà, deux par côté. On peut mettre ça tout de suite. Question Annie, mon bozo. Ils mettent souvent le jeu ou les DLC en promo pour DS. Il suffit d'attendre, mais c'est vrai qu'ils abusent la saison de passe à 38 euros. Oui, ça c'est tout à fait possible aussi, hein, qu'au final, vous ayez, quand le Year 2 arrivera, peut-être qu'ils feront le Year 1, donc la saison de passe première année, en promo. Ça aussi c'est possible, effectivement. Mais voilà, il faut voir si vous souhaitez attendre ou pas. Donc ça aussi c'est une possibilité. Hop, on a ça. Il est vraiment sympa, je trouve, à faire ce moteur. Complètement différent des autres. Pour l'instant, je le trouve pas très pénible. Enfin voilà, je le trouve pas vraiment pénible à faire. Ah, il en faut un deuxième. Hop, on a dit que c'était la roue dentée qui, bien sûr, est pas ici, mais ici. Voilà, et on va avoir aussi la chaîne. Voilà, donc qui est en deux versions. Alors, il y a écrit type B, il y a peut-être type A de l'autre côté. Voilà, donc ouais, il faut pas mélanger. Chaîne d'escrime, bon, je l'avais déjà marqué. Type A et type B. Hop là, alors, on continue. Un patin là, un patin là. Hop. Donc ça c'est les deux mêmes par contre. Voilà. Nickel. Ça fait un sacré moi. La place que ça prend. On se rend compte vraiment pourquoi il y a besoin d'autant de place. Et encore, ils l'ont fait assez compact pour l'époque, hein. C'est assez hallucinant. Là, ça va être la même chose ici. Alors, les bougies, je les avais pas encore mises de ce côté. Une. Deux. Liam, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Allez. Non, 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 allez. Allez, allez, s'il vous plaît. Sois gentil avec ton frère, toi aussi. Non, Yeva, je veux pas l'entendre. Je veux pas l'entendre. Allez. Alors, hop, et on a ce couvercle-là aussi. Donc tout ça va être ici, dans quelque chose de classique. Hop. Donc on va pouvoir habiller tout ça, notre petit moteur. Et vous, du coup, sur quoi? Ah tiens, je l'ai pas acheté ça. Sur quelle map est-ce que vous pensez jouer au final? C'est ça? Il est à l'envers mon moteur, d'accord. Bah, pas de soucis, regarde, hop. Et il est plus à l'envers. Sur quelle map est-ce que vous pensez commencer? Est-ce que vous allez essayer les trois? Est-ce que vous allez vous concentrer sur Oberon? Est-ce que vous allez essayer de vous mettre sur. Ah, je n'ai pas acheté assez. Sur la map française, sur Oberon, mais je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui feront ça. Ah non, il y a type A et type B. Je pense qu'il y en a beaucoup qui feront ça aussi sur Oberon. Mais honnêtement, la map US, elle a l'air vraiment bien aussi. Et puis quand on en discutait un petit peu avec Brizou de la team, et qui me disait qu'au final, il pensait qu'il allait prendre la map Elmcreek, parce qu'elle avait l'air plus adaptée au multijoueur. Alors on n'a pas non plus vu tout 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 sur la map française, mais je pense qu'il a peut-être raison. Peut-être que sur la map américaine, on a l'impression qu'on a à peu près 4-5 fermes. 5 corps de ferme différents, et donc ça peut être vraiment sympa d'y jouer, surtout avec le nombre d'emplacements qui ont été complètement améliorés. Ça va quand même permettre au tout début, je pense, que de pouvoir jouer avec les joueurs PC sans trop de problèmes. Et puis le nombre d'emplacements qui augmente avec le nombre
d'emplacement par véhicule qui diminue, ça veut dire aussi que même sur PC, vous allez pouvoir tourner avec plus d'équipement sans forcément que votre PC y peine. Donc ça aussi, c'est bien. Ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, boîtier ventilo, ça c'est sûr qu'il est pas... Ça peut-être qu'il y est. Ça peut-être qu'il y est. Collecteur d'admission, ouais. Ah, attends, est-ce que le ventilo il y est aussi? Non, voilà, c'est ce qui me semblait. Le couvercle non plus, voilà. Donc on va... Pareil, on supprime tout ça au fur et à mesure. Ah mince, il fallait que je... je l'ai pas acheté du coup. Ils ont pas encore montré les ouvriers, non, toujours pas. Toujours pas montré les ouvriers, toujours pas montré le menu ouvrier, ce que ça allait faire. Mais on l'attend avec hâte, hein, tout ça. Hein. Tous ces menus là, c'est un des derniers trucs je pense qu'ils vont montrer. Parce que ça va être phénoménal. Enfin j'espère, ou alors c'est ils veulent pas nous le montrer tout de suite pour pas qu'on soit, qu'on soit déçus. Mais franchement ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Et bah voilà, c'est ça qui est nickel, c'est que tu vas pouvoir jouer avec ton pote, peu importe, là, il n'y aura plus vraiment la question à se poser, est-ce que je prends, est-ce que t'es sur PC, est-ce que t'es sur console, est-ce que t'es sur Xbox, non, c'est juste, tu veux jouer, allez, c'est parti, on joue. Et ça, c'est top, ça, c'est vraiment, vraiment top. Avec aussi, bah, la possibilité de désactiver hein, ce crossplay, donc... Faut pas s'inquiéter, hein. Ceux qui veulent rester entre eux, ils pourront rester entre eux, y a pas vraiment à s'énerver pour ça. Hop, donc ça... Alors attendez, est-ce que ça... Je pense que je l'ai pas non plus en tuning, hein. Non. Pompe à injection, ça si par contre. Et du coup... papillon, ça on l'a pris, ça on l'a pris, c'est le ventilateur qu'il faut prendre, voilà, et la pompe à injection. Mais je sais avec quelle marque tracteur je vais jouer. Ah, alors tu vas jouer avec quelle marque du coup, Damien? Parce que là aussi, il y a quand même pas mal de choses, c'est pas, je pense qu'il en reste encore, hein, qu'ils n'ont pas encore montré. Mais ouais, on a déjà pas mal de choses qui ont été montrées. 440 pièces d'équipement, ça le fait quand même. Hein. Ça va vraiment être impressionnant. Hop. Courroie crantée, ça c'est sûr qu'on l'a pas en tuning. Le Valmette, ouais, le Valmette, je suis d'accord avec toi. Le Valmette, il est très très joli. Je le trouve vraiment super sympa. J'ai hâte de voir aussi le passage des vitesses. Alors avec manette, ce que ça donne. Et j'espère que j'aimerais bien, mais je suis pas sûr que j'arrive à obtenir ce qu'il faut pour passer les vitesses manuellement. Ça serait bien, ça serait vraiment top aussi. Avec un levier et tout. Mais je suis pas convaincu que j'y arrive. Et ça par contre, on doit l'avoir aussi, j'espère, le filtre à air. Ouais. On l'a là-dedans. Alors, hop. Hop. Il est super complet, hein. Franchement, c'est... Il est quand même, il est plus complexe que ce que je pensais, initialement, ce moteur. Mais il est top, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, ça va pas se retrouver là-dedans. Le boîtier non plus, hop. On va le trouver ici. Et ici. Allez, et on profite, on supprime la liste, comme ça... On reste tranquille. Ah, est-ce que j'ai pris le galet? Oui, j'ai pris un galet. Donc ça, c'est bien. Regardez-moi toutes ces courroies, quoi. Ah, non, c'est trop beau, avec ces fils de partout et tout. Ah, ça sent bon l'essence, ça. Ça, c'est le moteur qui sent bon l'essence. Qui est... Pff, trop, trop bien. Magnifique. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'il est bon. Je crois que c'est bon. Je l'ai retourné exprès, hein, Bozogay, cette fois-ci. On l'enlève. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre? Comme tu dis, seulement au début, le crossplay. Dès que le port chargeau sera sur PC, les consoles seront exclues du crossplay. Oui, ça, c'est possible. Dès que les modes arriveront, des modes vraiment spécifiques PC, il y en a plein qui voudront plus jouer. Mais après, honnêtement,
Ça dépend. En fait, le truc, c'est que si t'as des amis qui sont sur PC, ils voudront bien quand même, je pense, avoir au moins une partie qu'ils réserveront à la partie pour... avec la console. Qu'est-ce qui empêche, en fait, de faire les deux? Je sais pas. Et ça, ils n'ont pas dit aussi combien de slots de sauvegarde on aura. Est-ce que c'est toujours 10? Est-ce qu'on va en avoir 20? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui empêche de réserver un slot de sauvegarde pour une partie en multijoueur avec les consoles et de pas utiliser les modes PC dessus? Franchement. Ah, et Damien, ton père avait un Valmet. Ah, bah ouais, là c'est la fibre sentimentale, là, t'es obligé de l'avoir, c'est clair. Tractor Class sur le 22, bah, il y en a pas mal déjà, Tractor Class sur le 22. Hein. Il y en a un paquet, hein. Il y a le Xerion Saddle Track, il y a les Arion, il y a Action aussi, je crois. J'ai préparé une vidéo, mais que j'ai pas encore postée, j'ai pas eu le temps, avec tout ce qu'il y a sur le modem pour l'instant. Donc, enfin, sur le modem, n'importe quoi, sur le City Giants. Donc, je vais essayer de vous la sortir assez rapidement. Si tu as des amis, bah oui, c'est sûr. Après, si tu joues juste comme ça, après, franchement, vous venez sur le groupe Facebook, il y a plein de gens qui sont super sympas et je suis sûr que vous arriverez à trouver quelqu'un avec qui jouer aussi. Donc voilà, faut chercher et je pense que ça sera bien. William, française découverte dans le jeu. Oui, il y a les trésors, effectivement, je disais que j'en ai pas reparlé, mais je l'avais déjà fait avant. Il y a l'histoire des trésors, l'histoire des objets collectibles sur chaque map. Salut Detrabounty, bienvenue, bienvenue! Et du coup, donc sur chaque map, on va avoir des choses qu'on va pouvoir collectionner, trouver. Et sur. Ah, j'ai pas réparé encore le. Ah, mais c'est cool. Bon, là, on va réparer la carrosserie. Et sur la map française, c'est des vieux jeux. Et donc, ça, je trouve ça trop bien. Des vieux jeux de console, genre peut-être des jeux de Game Boy, j'en sais rien, ou ce genre de trucs. Et donc, on va pouvoir chercher et trouver en tant que collectible. Et qui, je pense, on pourra les revendre ou qui nous rapporteront de l'argent. Mais ça aussi c'est génial, ça nous forçait un peu à explorer la map. Et c'est trop bien, moi j'ai trop hâte pour ça. C'est vraiment super cool. Hop, alors là on n'est pas trop mal. Bien sûr, comme il s'agit d'une voiture officielle, marque officielle, on n'a pas de carrosserie tuning. Ça aussi je trouve ça dommage. Alors je sais pas si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire. Hein. Vous voyez si on regarde ici. On voit la carrosserie là, tuning, et bah, la Porsche n'apparaît pas. D'accord? Et de toute façon, il n'y a aucune voiture de DLC qui apparaisse dans la version tuning. Donc ça va être forcément. Voilà, ici. Et nous, on a dit qu'on a la Turbo S. Et donc, bah, vous n'avez pas le choix, en fait. Et c'est dommage. Moi, je trouve. C'est vraiment dommage. Alors, qu'on peut faire déjà tout de suite, c'est racheter tout ce qui est vitres, phares, etc. Parce que ça, de toute façon, c'était. Pas dans un bon état du tout. Voilà, et après on va voir ce qu'on doit rajouter. Je me rappelle plus quel côté il manquait des choses. Bah voilà, donc porte de droite, elle avant droite, donc tout le droit. Déjà, on peut remettre le capot. Voilà, ça, le coffre. Tu as joué avec un youtubeur? Bah écoute, tant mieux. Bah moi je veux aussi mettre des. Un serveur disponibilité alors pour ceux qui ont rejoint la chaîne. Hop. Ah non, ça c'est dit que j'ai faut là que j'achète. Mais ouais, bah, en fait sur plusieurs maps, t'en as sur Spectacle Island, t'as les lingots. C'est ça qui a redéclenché le truc. Et après sur les deux maps de comment elle s'appelle? Omatana, donc tu as Wild Sea et Port Limbo qui sorti récemment. Sur les deux, tu as des trésors. Sur Wild Sea, c'est des cristaux. Et sur Port Limbo, je sais plus ce que c'est. Mais les deux, tu as des trucs que tu peux chercher et revendre pour de l'argent. Et elle a bien fait de faire ça. Hop. Le phare. Voilà, attends, ça on va l'enlever, ça sera fait, on le range. On va acheter du côté droit, donc on a dit l'aile avant droite et porte avant droite. Et du coup, forcément, on va avoir aussi le rétro avant droite qu'on va avoir besoin. Voilà, allez. Hop, le petit rétro gauche. Notre pare-brise, les phares. Elle est magnifique. Franchement, la trouve. Elle est sublime. Bon, un peu moins avec. Du côté droit, elle est un peu moins sublime, mais ça reste quand même super bien. Hop. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour pour la carrosserie. Il va juste rester la plaque d'imat. Bon, on va prendre une. On va en prendre deux neuves.
On va en prendre deux neuves, on va en faire une. C'est figurine d'animaux noirs. Ah bah écoute, super. Tu vois, j'étais pas encore allé regarder exactement en détail. Voilà, on va faire. On va rester dans le thème. On va mettre deux plaques allemandes pour aller tracer sur l'autobahn après. Hop, voilà. Ouais, le moteur il est sublime, hein. Franchement, il est trop trop beau. Regardez un peu ce truc. Regardez ce monstre. Il est trop bien. Et encore, on n'a pas mis tout ce qui va dessous, hein. Ok. Alors, on va monter tout ça. Et puis, on va acheter bah, tout ce qui manque. Tout ce qui manque, c'est-à-dire environ tout. Allez, passe en mode montage. Ah oui, il y a tout ça que j'ai pas fait aussi dedans. Il y a toutes les parties. Ah, le filtre à billes, il est sur le côté. Ah, c'est marrant ça, il est pas sur le. Il est pas sur le moteur. Alors ça, c'est sympa. D'accord. Alors, celle-ci, est-ce qu'on a réussi à la sauver? Oui. Celle-ci aussi. Ouh là non. Par contre, les cils en bloc, ça le fait pas. Donc on va en acheter tout de suite. Hop. Alors, cils en bloc. Silen... Hop là, silen bloc. Allez, on va reprendre un bon paquet, comme ça on sera tranquille. Petite vingtaine, on en profite pour les petits aussi. Voilà, comme ça on est tranquille. Donc, ça c'est bon. Suspension double régulation. Ok, donc ça faudra que je le fasse aussi. Double triangulation, pardon. Arrière. Ok, c'est parfait. Donc avec le ressort et la coupelle aussi. Voilà. Les disques de frein, évidemment, on va émettre des disques en carbone, hein, parce qu'on rigole pas. Les petites plaquettes. Étrier de frein également. On a toujours pas d'étrier de frein tuning. C'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Hop, le roulement, ça je l'ai pas encore acheté. La boîte de vitesse, j'espère qu'il y en a une qui est tuning aussi, sinon on pourra pas du tout jouer sur tout ce qui est réglage de boîte, de rapport, etc. Et je pense qu'on en aura besoin. Hop. Hop là, les freins. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le DLC Porsche, oui, il vaut le coup, mais sur le 18, je m'étais spécialisé Porsche, Pagani et Bentley. Avec W12. Ah ouais, ah ouais, le W12. Ouais, on l'a pas encore celui-là. Hein. Allez, c'est pareil, on va en reprendre une vingtaine. Papy Car Gaming, ouais, effectivement, salut Ego. On sort un petit peu des tracteurs là, effectivement. Mais je trouve que c'est un jeu qui est dans le même esprit et c'est pour ça que je me permets de faire des lives dessus parce que, bon, déjà, il est aussi sur console, donc ça reste aussi dans le même esprit de la chaîne. Et puis, c'est un jeu qui est chill quoi. C'est un jeu, tu te poses, il n'y a pas de stress, il n'y a pas. Voilà, c'est juste, tu viens, tu construis ta voiture de A à Z et c'est ça que je trouve génial. C'est vraiment ça qui me plaît beaucoup dans le jeu. C'est que c'est tranquille et puis tu peux t'y perdre aussi des heures, effectivement. Alors, tuyau d'échappement, voilà, ça on l'a en tuning, il est magnifique. Le B également, pas de soucis, Hugo, c'est pas grave. Il reste encore un peu de temps, il reste encore une demi-heure, on va essayer de la finir complètement. Boîte de vitesse, ça va pas être ici. On va essayer de la finir complètement et d'aller l'essayer. Ok, donc là ça va être ici. Ici on va pouvoir retrouver ça en deux. Salut Jérôme, bienvenue, bienvenue. On va retrouver, donc ça je l'ai pris. Ça, on va le prendre en 4. Inférieur. Ah, je sais pas ce qu'il y a à l'avant, je sais pas si je fais bien d'en prendre en 4. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Fidèle, même si je suis pas toujours en live, bah écoute, c'est super, je suis vraiment content de l'entendre. Y a pas de souci. Je crois que j'ai tout pris, hein. J'ai tout pris. On va en profiter pour faire tout ce qui est suspension. Donc ça, on l'enlève.
Voilà. Et donc on a dit double rire. Eh oui, oubliez pas les pouces bleus. Oubliez pas les pouces bleus. On n'est pas beaucoup, donc oubliez pas. Ça fait toujours plaisir. Deux, ça devrait suffire. Pareil pour les coupelles. Coupelles, amortisseur arrière. Normalement, ça devrait être. Ouh, est-ce qu'il y en a vraiment besoin ou pas? Je sais plus. Le moteur diesel pour la Volvo. Ah, ça c'est sympa ça. Ah. C'est laquelle la Volvo? C'est la vieille là? C'est la vraiment toute vieille qu'on a au tout début à faire. C'est celle-ci la Volvo. Que moi j'avais compris que c'est. Enfin j'ai cru que c'était une Mercedes. C'est celle-ci dont tu parles? Parce qu'elle a un gros moteur il me semble hein, déjà. Hop. Allez, les amortisseurs, c'est fait. La Valsen, ok, c'est ça. Ça marche. Bon, peut-être que j'essaierai pour rigoler un peu, pour voir ce que la différence au niveau du mazout, comment est-ce qu'ils l'ont retransmise. Et on avait des moteurs diesel sur le 18, Bozo Game. Ah, j'ai oublié de prendre la boîte. Allez, on va aller voir la boîte. Bah, super, merci Patrice. Super sympa d'avoir mis le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Hop, de l'autre côté, l'autre tuyau d'échappement. Voilà, et l'autre suspension. Non, pas sur le vide, d'accord. Donc c'est un nouveau type de moteur alors. Et on a dit la boîte de vitesse. Est-ce qu'ils l'ont en tuning celle-ci? Yes! Ah, ça c'est cool. Ah, ça c'est vraiment bien. C'est vraiment vraiment bien. Voilà. Est-ce que j'en avais? Ouais, j'en ai. Des petits cardans. Alors les roues, on va pouvoir les choisir. On va prendre du Porsche. Là, par contre, ça va être obligatoire. Je veux pas mettre des roues kékés sur une Porsche. Faut pas. En plus, une Porsche de cette classe-là. Non, non. Là, on va mettre du Porsche dessus. On a tout ce qu'il faut ici. On va descendre. Ouais, mais ouais, c'est excellent. Effectivement, Jérôme, t'as raison. C'est excellent. Moi, je trouve génial. C'est super bien. Et puis en plus, même si. Faut pas rêver non plus, hein. C'est pas avec ça que tu vas apprendre à faire toi-même ta vidange ou toi-même changer ton embrayage, hein, on est d'accord. Mais je trouve que c'est quand même éducatif. T'apprends quand même des choses sur les moteurs, l'architecture. Alors il y a des raccourcis qui sont faits, hein. Ça c'est clair et net. Mais c'est quand même bien. Moi je trouve quand même vraiment pas mal. FS12, tu veux que je vienne jouer avec toi en live, donner des conseils, je serais ravi sur le métier agricole. Bah écoute, c'est super sympa. On verra comment j'organise le truc. J'ai pas encore tout bien préparé, enfin tout déterminé, hein. C'est préparé, mais j'ai pas tout déterminé. Donc tout ça va être plutôt, ça va être là-dedans. Il a les suspensions pneumatiques depuis le début du jeu, mais j'ai pas encore trouvé sur quelle voiture ils vont. Les suspensions pneumatiques, suspensions pneumatiques, t'en as. Il me semble que j'en ai fait une. Il me semble que j'en ai fait une avec ces suspensions pneumatiques. Celle-ci là, je saurais pas. Pas de dire. Tu sais qu'en France c'est sur les Citroën, t'as les suspensions pneumatiques. Mais elle me dit quelque chose. Honnêtement, il me semble que j'en ai fait une avec les suspensions pneumatiques, mais je me rappelle plus. J'ai pas tilté sur le coup. Je me rappelle avoir dit ah tiens c'est pneumatique, mais mince. Ouais, je ne saurais plus. Alors le filtre à huile Porsche, le démarreur, on va le trouver. À côté dans l'électronique. Intercooler, on aura peut-être la chance de le trouver en tuning, donc on va voir pour le tuning. Ça par contre, réservoir, on ne donnera pas du tout en tuning. Alors, mince, est-ce que j'ai supprimé quelque chose qu'il fallait pas? On a dit le démarreur, voilà. Et on a dit l'intercooler, peut-être qu'on va arriver à le trouver. Ah bah c'est l'intercooler que j'ai supprimé, bravo. Yippee-ki-yay. Allez, hop. Hey, yes. Ah, je commence à avoir les bons réflexes quand même. Hein. Je commence à avoir les bons réflexes sur ce qui peut y être ou pas. Hop. On va tout de suite aussi supprimer tout ça. Faire un peu la place. Mais c'est dommage que tu puisses pas voir, genre, cliquer sur un truc, sur une pièce, et que ça puisse te dire ben, toutes les voitures sur lesquelles ça se monte. Ou tous les moteurs en tout cas. Ah, il y a du petit clip. Est-ce qu'il m'en reste? Yes, parfait.
Alors celui-là, je l'avais pas vu. Ça m'aurait embêté, ça, pour arriver à les retrouver. Bon, remarque, peut-être que j'aurais réussi quand même. Bon, y a que celui-là où on peut avoir des clips au final, mais... C'est vrai que quand on n'y fait pas attention, ces petits clips, ils peuvent rapidement être traîtres. Des petits clips, des petits clips. Hop. Allez, ça sera bien comme ça. Donc vous voyez, hein, je repeins rien aujourd'hui au niveau des pièces moteurs et tout, parce que je veux que ça aille quand même un peu vite. Et puis de toute façon, celle-ci, je vais la revendre, peut-être que je verrai après par la suite. Dis papy, tu pourras venir réparer ma voiture si j'ai besoin d'un expert. Tant que c'est virtuel, ça me va. Si c'est réel, non. Je suis pas très très fort en réparation de voiture. En moto, je me débrouille pour les trucs de base. Mais pour la voiture, c'est tout de suite plus pénible. T'as besoin de plus d'équipement en fait. En moto, c'est plus accessible. En voiture, t'as toujours besoin de plus d'équipement. Alors, hop. Donc l'arrière, je pense que c'est tout fait. On va s'attaquer à l'avant. Il me semble, j'ai rien oublié. Hein. On verra, de toute façon, ça me le dira. J'aurais pu mettre l'huile, etc. Mais bon. Ça, il va me manquer. Ah non, génial, j'ai pu tout récupérer. Moyeu avant, j'ai aussi. Super. Super, super. Les disques de frein en carbone, évidemment. Pour trouver les pièces qu'il te manque, il suffit de marquer dans la liste des pièces complètes la description de la voiture. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Ce qui veut dire, c'est ça. En fait, tu vas là et tu vois, ici, là. Là, tu as toutes les pièces. Et au bout d'un moment, ça te dira, voilà, tout ça, c'est tout ça que j'ai pas encore posé. Donc il en reste quand même un petit peu. Ben voilà, parfait. Donc on a bien aussi double suspension avant-arrière. De toute façon, vous voyez, regardez, par exemple ça, c'est une chose que j'ai remarqué sur les voitures sportives, vraiment sportives, on va avoir à l'avant et à l'arrière ce type de suspension. Et c'est quelque chose que, sans avoir fait ce jeu, je l'aurais jamais su, quoi. Donc c'est... aucune idée. On va lever directement, parce que de toute façon, il y a pas mal de choses qui ont besoin de le faire de bas. Peut-être un jour je l'achèterai ce jeu, plus je te vois jouer, plus ça me donne envie. Bah écoute, n'hésite pas, franchement. Pour le coup, j'ai vraiment rien, je suis pas partenaire du tout avec Car Mécanique, j'ai aucun avantage avec eux. Mais ouais, je pense que tu le regretteras pas. En plus, il est pas si cher que ça, hein. À chaque fois je me trompe dans le prix, mais je pense que c'est 30€ sur console. Donc c'est voilà, c'est abordable, on va dire. Les suspates, les cils en bloc. Allez, on va acheter tout ça. Barre stabilisatrice. Hop. Crémière direction. Ah non, attendez. Crémière direction, je crois que je l'ai réparé. Voilà. Alors, on va pas faire des frais pour rien. Réservoir lave-glace. Hop. Carburant. Hop. Ça, on peut le prendre effectivement directement. Et on va prendre aussi. Voilà, on va le mettre directement. Donc ça j'ai pris, il me faut les ressorts et il me faut les coupelles avant. Alors les coupelles on les a passées. Coupelles avant, hop, 2. Et les ressorts avant également. Hop, 2 aussi. Voilà, donc là déjà on a quelques trucs. Ah, il faut que je les monte. Le sympathique, tu joues tous les jours. Bah oui, je suis d'accord avec toi. C'est un jeu qui est fort sympathique. Hop, hop. Donc tout ça c'est par le compartiment moteur. Enfin, moteur, pas vraiment. On s'est compris. Voilà, alors il y a aussi, hop, ça que je peux acheter en tuning. La pompe à carburant, voilà. Par contre, tout ce qui est tout ça, ABS, machin, ça c'est toujours pas tuning. Donc ça va se retrouver dans l'électronique. Est-ce qu'on les voit là? Non, on les voit pas là. Il y a la batterie aussi. Je peux l'acheter directement. Ah, le Mastervac, non, ça c'est dans l'autre. La pompe ABS. Et on va avoir aussi l'autre version. Hop. Voilà, le module ABS aussi. Ça qui coûte assez cher. Et ici, on a le Mastervac. Voilà. Donc, le mètre cylindre pour le freinage. Je crois que déjà ça c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous m'avez dit?
Sinon, je me rappelle comment mon père m'a pris à détourer une pareille. Ah, ouais, c'est vrai que pour détourer, je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Non, mais de toute façon, comme on me l'a déjà dit hein, en live, hein, je pense que les gens ils regardent plus ce que je fais parce que c'est rigolo que parce que j'ai un gameplay parfait. Et par contre, en tuto, ça, en tuto, je dépote. Ça, voilà, ça, on peut pas me l'enlever. Je pense que je m'en sors pas trop mal en tuto. Donc vous inquiétez pas, les tutos ils sortiront à foison dès que j'aurai mis la main sur le jeu. Il y a ça aussi à prendre. Les petites biellettes, on va en prendre deux. Ben Noah, on est en train de se remonter une Porsche 911 Turbo, qui était vraiment en piteux état au début. Et chacun son mode de jeu, tout à fait, c'est ça qui est super sympa avec Farming Simulator, c'est qu'il y a vraiment 10 milliards de façons de jouer. Si on veut essayer de jouer ultra réaliste, on peut le faire. Si on veut jouer plutôt relax, on peut le faire aussi. Et c'est ça qui est vraiment super. J'ai atteint les 60 000 crédits bleus avec les caisses de loot. Ouf! Wow. Ah ouais, non, moi j'en suis très très loin de ça. J'en suis très très loin. Hop. Voilà. Hop. Ah, la rotule. Il me faut. Bah, Dorian Noir, avec plaisir. Hop. Les deux rotules de direction. Voilà. Tranquillement. Il va falloir que j'aille faire les suspates. Il y a le roulement. Voilà. Le cache-mouille. Ah, ça, je pense qu'il faut que j'en achète, ouais. Ça, il faut que j'en achète. Cache-moyeux. Lol Noah. Si tu veux, bah, je t'ai déjà montré, mais bon. Y a pas besoin de essayer de me soudoyer pour que je dise dédicace, hein. C'est pas nécessaire. Merci beaucoup, Monsieur Bozo Game. Très gentil de ta part. Hop. Les plaquettes. Merci Yann. C'est gentil. Ah, il manque d'étrier. On n'a plus d'étrier. Et ah, il manque aussi. Alors, c'est quoi déjà? C'est les pistons. Voilà. Les cylindres. On va en prendre un petit peu d'avance. Un petit peu d'avance. C'était une voiture qui était dans. Pas à la casse, elle était à. Attends, j'ai pas racheté ça non plus. Elle était dans la. Mince, comment ça s'appelle? J'ai un trou. Elle était à la vente aux enchères. Elle était à la vente aux enchères. Donc c'est là où j'ai trouvé. Mais la vente aux enchères côté casse. Donc elle était vraiment en état absolument horrible. Bah je ouais effectivement on va voir mais on va voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que ça va être vraiment pas mal. Après est-ce que je vais la vendre celle-ci? Je sais pas. La première Porsche qu'on fait, je sais pas si je vais avoir le goût de la revendre ou pas. Hop, il y a la barre ici. Hop. Alors c'est marrant, il y a plein de monde là qui. Je sais pas pourquoi là. Je sais pas pourquoi il y a plein de monde qui m'envoie plein de messages. Messenger et tout, là, alors que je suis en live, je peux pas les regarder. Donc bon, on verra. Je suis désolé les gens là, je vous réponds pas et je vous répondrai pas avant encore un petit moment. Ouh, ça avance vite, dis donc. Hein. Allez, on va essayer de se s'activer. Hop, hop, hop. C'est vrai que ça prend du temps quand même de refaire une voiture complète, mais on arrive, on tient le bon bout là. On arrive à la fin. Ouais, les jantes de Porsche, elles sont. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de mettre autre chose parce que bah, c'est juste parfait quoi. C'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut. Et celle-ci, elle avait rien du tout. Arrête!
vachement bête. Il y a ma fille qui me gratte le dos là. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Là, arrête, s'il te plaît. Là, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? La pompe ABS. Le module. Alors, le réservoir, ouais, je l'avais acheté. Ah, le Master Vac, je l'ai acheté deux fois. Ah, peut-être que je l'avais réparé en fait déjà. Arrête, s'il te plaît. Support à la boîte à fusible, ça je l'aurai pas. Faut que je le récupère. Et à l'arrière, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Alors, non, ça va être au niveau de l'électronique. Ah mais ouais, je vais mettre du slick. Ça c'est, de toute façon c'est clair. Ça j'ai bien pris ma leçon avec avec le, c'est laquelle, c'était la Corvette. Donc ouais non pas de souci, je vais bien mettre du slick, du bon gros slick. Type B j'en ai plus, du type C je sais pas si j'en ai, on va voir. Non plus. Donc on va mettre du type C. Les fusibles, est-ce que j'en ai? Ouais, ça j'en ai. Ah bah non, j'en ai pas non plus. Là, c'était la Bérésina, là, j'ai tout utilisé. Hop, non, allez. Bah, on est dans le bon bout. Donc, on a dit. Relais, allez, ça aussi on va en prendre. De toute façon, c'est toujours ce qui manque, c'est toujours ce qu'on doit remplacer sur les voitures qu'on répare, qui viennent de la casse ou quoi. Les relais, les fusibles, vu qu'on peut pas les réparer. Ça c'est le genre de truc où je mets du stock. De toute façon on va le rééquiper. On va l'utiliser sans problème. Hop. J'ai mal au dos en ce moment, j'ai fait beaucoup de voitures dernièrement là sur les 3 derniers jours. J'étais en déplacement assez fréquemment. Et je me suis fait mal au dos. Donc là. Pour ça je vais pas trop tarder non plus aussi. Puis parce que bah on va aller manger de toute façon hein. On va profiter, continuer de profiter de ce jour férié. Ça fait plaisir. Je sais pas si vous avez le pont aussi. Moi j'ai le pont donc ça va être trop bien. Je vais pas me reposer aussi demain. Hop. Ben voilà, ça c'est tout bien. On va sortir de ce menu là. On va remplir un petit peu les fluides aussi. Oh mince, ouais, ça c'est le truc. Faut viser le bouchon. Hop, démontage, on vise le bouchon. Non, il n'y a personne qui fait le pont ce week-end. Ah, hop, le bouchon de réservoir. Il y aura une petite surprise aussi pour Farming Simulator, ça je suis super content. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que pour réparer les voitures. Nickel, alors ça c'est le bon jeu de mots, monsieur Bozo, tu mérites bien ton nom de clown là. Effectivement, on a besoin du pont pour réparer les voitures, donc voilà. Et c'est pour ça que j'en avais besoin. Tu vois, c'est ce que j'ai dit à mon patron en fait. Je lui ai dit écoute, là je suis désolé, mais ce week-end j'ai besoin de réparer des voitures donc il me faut le pont. Et il l'a très bien pris. Non, c'est des bêtises. Hein. En fait, moi j'étais forcé de prendre le pont, donc à la limite, tant mieux. Un truc qui est super marrant du coup que je découvre aussi avec ce jeu, c'est comme vous le voyez ici, vous avez en fait le remplissage d'huile qui se fait dans le côté. Donc en fait, vous avez de l'huile qui est dans le cadre, j'imagine, ou alors dans des tubulures qu'on voit pas. Et c'est pour ça qu'on a aussi le filtre à huile qui est ici. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait à un moment donné, qui se fait quand même moins maintenant, d'avoir de l'huile dans le cadre, et qui se faisait aussi sur les motos. Moi, j'ai eu une moto, j'ai une KTM, un bon vieux mono bien sympa, bien énervé, une super motte, et qui avait de l'huile dans le cadre. Et c'est assez hallucinant, ouais. Ah, ça, c'est pas beau, par contre. Oh là là. Ou c'est fait exprès que ça dépasse pour qu'on puisse le remplir depuis le... Bah, j'espère que c'est fait exprès, parce que sinon, c'est pas très beau, hein. C'est pas fameux. Il y aura besoin d'un coup de nettoyage aussi à l'intérieur. Mince, qu'est-ce qui me manque comme fluide, comme truc. Celui-là, je l'ai pas fait.
Celui-là, j'ai pas fait. Hop. Et bah, je pense que ça va être bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah si, le radiateur. Mais le radiateur, du coup, c'est... Bah si, c'est celui-là. Il est ici, donc logiquement, on devrait avoir... Où est-ce qu'il est, le symbole? Y a pas de radiateur? Ah, c'est un moteur à air! Eh oui, c'est un moteur air wheel! Ah, mais oui, mais oui, mais oui, avec les segmentations comme ça. Eh oui! Ah, trop bien. Ah, c'est génial, j'ai des frissons. J'ai des frissons, tu fais le pont aussi, Yann. Super. Ah, c'est trop bien. Alors, maintenant, on passe aux choses sérieuses. N'importe quoi. Les jantes. Les jantes. Alors, est-ce qu'elles sont... Est-ce qu'il y a le nom? Parce que ça c'est un truc aussi que j'aime pas. Est-ce qu'il y a écrit Porsche dedans? Je suis pas sûr. Non, il n'y a pas écrit Porsche, donc tu peux pas faire la recherche par le nom. Alors, est-ce qu'on les voit? Elles sont où? Ces jantes Porsche. Ça, c'est pénible. Elles devraient être par marque aussi. On devrait pouvoir les classer par marque. Est-ce que je suis aveugle? Jaguar. Elles sont où? Je les ai pas vues. Là, elles sont pas là. Là, elles sont pas là. Je crois pas. Bah, elles sont où? Bah. C'est quoi ce délire? Je suis complètement aveugle ou... Jantes rétro. Les meilleurs moteurs pour Porsche, les Porsche les plus recherchés d'ailleurs qui valent une fortune. Eh oui, complètement, elles prennent de la valeur ce genre de... super Patrice pour le pont. Ce genre de voiture, elles prennent de la valeur. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Je sens que vous allez me crier dessus parce qu'elles doivent être juste devant mes yeux, mais je les vois pas. Je comprends pas. Je comprends pas où est-ce qu'elles sont. Là, il y a de la Nissan et de la F-Type. Alors attendez, peut-être que c'est là que j'ai pas vu. Mais je vois pas de jantes Porsche là. Alors là, c'est fou. C'est complètement dingue. Rétro, 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 moderne. Nissan. Ah bah alors ça c'est bizarre. C'est super bizarre. Alors attendez, on va le faire autrement. On va mettre comme ça. Jante 964. En tapant RS. Parce que là, si je fais... Elle y est. Mais elle était où cette jante? Ah ça c'est un bug par contre. Parce que... Elles sont dans l'ordre alphabétique, normalement. Donc logiquement, si je vais jusqu'au 9... Ah mais elles... Je suis aveugle. Elles sont là. Je suis complètement aveugle. C'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? Est-ce qu'on lui met les jantes de la 964 classique? Est-ce qu'on lui met celle de la 964 RS? Ou est-ce qu'on lui met les jantes de la 991 qui sont violemment méchantes? Donc dites-moi, là, je m'accorde la possibilité de pas mettre des jantes de 964 sur la 964. Parce qu'on reste chez Porsche et que celles-ci, elles sont quand même très très belles aussi. Donc dites-moi ce que vous préférez, donc plutôt celle-ci ou la 991. C'est de la RS, vous voulez qu'on reste quand même dessus? Donc Damien, il dit RS. J'ai Patrice qui me dit 991, Seb qui me dit RS. Nozette qui dit 991, donc là pour l'instant j'ai 2 991, 2 RS. 2 991, 2 RS. Bozo Game dit RS, évidemment j'étais sûr que t'as dit RS. Donc j'en ai 3 pour RS. Très bon week-end pour finir tous les trophées. Bah ouais, moi je vais m'y atteler aussi hein, quand j'ai fini ce live. Bon, je vais faire à manger quand même. Et puis je m'y attellerai. Ouais. Donc pour l'instant c'est RS qui gagne, il y en a 3 pour RS, 2 pour 991. Est-ce que ça va être jugé vendu? Allez, bon, on va prendre RS alors. Parti. Donc 4 jantes, j'ai pas regardé, à la base c'est du 18 c'est ça?
On va mettre un poil plus grand. On va mettre un poil plus grand. On va les mettre en 19. Et pas de déport. Ouais, on va les mettre en 20. On va les mettre en 20. Voilà, je suis assez d'accord avec Bozo Game. Parce que même à l'époque, en fait, on faisait de toutes petites roues. Mais maintenant, on est habitué à des plus grosses roues. Donc c'est quand même plus sympa. Passe le bonsoir à ma fille. Ouais, ok. Ça marche. Elle est toute petite, hein. Donc ça, c'est fait. Maintenant, en pneu, on va se prendre. Hop. Du slick, ça c'est sûr. On va se prendre du slick avec des petites marques parce que c'est quand même plus joli. On va le mettre en 20, du coup, on a dit. Et on va en mettre. Ah non, on va faire ça. On va en faire deux énormes à l'arrière et deux un peu moins gros à l'avant. Je sais pas en quoi je vais pouvoir les. Ah, je sais plus les tailles. Je sais plus les tailles parce que j'en ai démonté une. À l'arrière, on va mettre du tout. Ah, d'accord, pas de soucis. Pas de soucis, Damien. En déport à l'arrière. Ah, ouais. Bon, c'est. Bah, oui. C'est pas faux. On va mettre ça à l'arrière. C'est du vin. C'est du vin, attention. C'est du vin. Donc, on a du. Bon, allez, voilà, le plus fat possible à l'arrière. En montant à 40. 45. Ouais, mais je sais plus ce qu'il y avait. Et en fait, là. Allez, on va mettre à 40. J'espère que ça va aller. On va voir. Au pire, si c'est pas bon. Parce que là, en fait, tu t'as pas les informations sur le pneu. Si t'en as pas, en fait, tu les as pas les infos. Et elle a été sans jante, celle-ci. Elle avait rien du tout. Donc, à part si. Est-ce que tu vas le voir ici? Ah, j'ai raté des clips. Ah oui, t'as raison. Ah, t'as raison. 40 et 35. Donc j'ai pris du 40 à l'arrière. J'ai pris plus gros partout. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et par contre, il me semble que j'ai mis. Ah, il y a le feu arrière gauche que j'ai pas remplacé. Est-ce que je l'ai zappé celui-là? Non, voilà. Oula, Audrey. Salut, Audrey. Par contre, faire un petit effort sur. T'as un petit effort sur l'orthographe là, ça devient compliqué à lire. Allez, on monte les jantes. On a mis tout en 20, voilà, parfait. Et. Ah là, c'est du gros boudin là. C'est du gros gros boudin. Faut 30 et 25, ouais. On va voir. Je te crois, hein, c'est sûrement ça, hein, mais bon. Je les ai achetés, donc autant voir ce que ça donne une fois posé. Hop. Merci Nora, c'est gentil. Ouh, est-ce que ça lèche le lèche-roue? Ouais, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop, ouais. C'est un petit peu trop, mais bon, on va dire que pour cette fois-ci, c'est bon. Parce qu'il faut encore qu'on aille l'essayer et tout, donc allez, pas grave. Hop. Et à l'avant, donc à l'avant, tu m'as dit. Donc il te faut du 30 et. 25. C'est très gentil, Noah. Attention à pas mettre trop non plus de smiley, Noah et Audrey, s'il vous plaît. Du 25. Ça va faire une énorme différence. Hein. Bon, on va juste mettre du 20, du 30 à l'avant. Ok? C'est une Monster Porsche, exactement. Monster Garage, c'est moi. 20. Ensuite, alors là on va pas le mettre à fond parce que c'était un peu trop. On va enlever, on va mettre 325. Et on a dit, tu m'as dit 25, donc on va mettre du 30. Ah, ça va faire une grosse différence là. Ça va faire une grosse différence, c'est pas un souci, Noah, t'inquiète pas. C'est juste, voilà, je préfère te prévenir avant.
Hop. C'est vrai que celle-ci, ça a l'air un petit peu plus raisonnable. Pas énorme, énorme, mais un petit peu plus raisonnable. Johnny, ouais, j'aime le Johnny. Oui, j'aime bien Johnny Depp, mais bon, je vois pas trop le rapport. Mais ouais. Johnny Depp, y a pas de souci. C'est plutôt un bon acteur. Salut Stéphane, bienvenue. Alors, la Monster Porsche. Ça va et toi? Alors non, c'est pas ça que j'allais faire. Hop là. C'est vrai qu'un petit déport à l'arrière, ça aurait quand même été beaucoup plus sympa. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Peut-être que je reverrai. Peut-être que je la referai un petit peu, changer les trucs. Ouais, non, mais je me fais plaisir. Je suis riche, y a pas de souci. Hein. C'est juste en termes de temps, en fait. À chaque fois, s'il faut refaire, ça prend du temps. Et là, normalement, je devrais déjà avoir fini le live. Voilà, on va faire comme ça. Alors, apparemment, il y a des clips que j'ai ratés. Et des cils en bloc. De ce que j'ai pu voir. Ouais, le matos d'occasion sur FS22, c'est génial. Franchement, ça, c'est super, super. C'est vraiment trop bien qu'on puisse le faire aussi. Ouais. Ça marche, pas de soucis, Audrey, à la prochaine. Alors, il y a les cils en bloc ici, ça on est d'accord. Celui-là. Et ah, bah voilà, la batterie. Donc ça va. Et il n'y a rien d'autre là qui reste. Il n'y a rien d'autre du tout. Alors, on va faire la méthode de Monsieur Bozo Game, l'expert. volant siège, ils sont où ces clips? On va les marquer. Au-dessus de 500 000, bah ouais, il y a de quoi faire. Après, le nombre de voitures que j'ai, si je les vendais, je pense que je peux faire quelque chose de pas mal aussi. Donc, ouais, il y a tout ça aussi. Ok. Alors, ces clips, ils sont où? Ah, bah voilà, d'accord. Je suis pas sûr d'en avoir des clips B. Ah, purée. Mais c'est horrible ça. Ah, bah attends, c'est parce que je suis pas en montage. C'est pour ça. Clip B. J'en ai pas. Très bien. Hop. Clip B. Oh, c'est 7 millions, mais t'as... toi t'es un vénère. T'es un vénère, Bozo Game. Oui, c'est ça en fait. Sur FS22, c'est ça aussi qui était très bien fait. C'est que si on achète en fait l'équipement d'occasion, bah déjà il sera en mauvais état. Donc il faudra le réparer. Si tu le répares pas, en fait, bah, comme il est en mauvais état, les performances seront pas terribles, seront moins bien. C'est-à-dire que ton tracteur, par exemple, il ira moins vite, tu pourras moissonner moins vite. Enfin voilà, au niveau des performances, ça sera diminué. Et en plus, bah, en fait, tu devras le réparer plus souvent que ton équipement neuf. Et ça, c'est génial. Ça, c'est franchement génial. Ah oui, tout l'intérieur. Alors, on a dit, hop, laisse-moi l'intérieur. Plus de 100 voitures que t'as encore. Mais comment on peut en acheter des... Combien on peut en acheter? Parce que c'est vrai que, je crois... Des places de parking... non, c'est pas là. Moi, je suis au ma... En fait, je suis au max. Au niveau des places de parking. Mon prochain live, ça sera mardi à 18h30 pour FS22. FS19, pardon. FS... Je viens pas encore FS22. Mardi à 18h30. Bah tiens, on va profiter, on va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. La carte. Le parking, ouais, mais... Ah, t'as plusieurs voies. Ah, d'accord. Ok. Et ouais, non, mais... Ok, super. Merci beaucoup, Damien. Ça marche, Noah, avec plaisir.
Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Ah oui, l'intérieur, purée, je vais y arriver. Donc on a dit intérieur, montage intérieur. Alors, un volant, siège avant gauche, siège avant droit. Ah ouais, c'est spécifique. Hop. C'est cool, merci Damien. Intérieur. Hop. Non, comme ça. Les deux sièges. Ah ouais, 1200 balles de siège. Le volant. Bah tu vois, voilà. Bah, Patrice, ça va t'aider aussi. Moi aussi, je pensais que c'était, tu pouvais pas faire grand chose. Tu achètes des voies de parking, 10 emplacements. J'en ai 12, d'accord. Et je peux encore acheter, donc je connais pas le max. Ok, ok. Bonne soirée, Yann. Bonne soirée. Merci d'être venu, c'était sympa. Alors, 100%. Ah bah c'est sympa, Noah. N'hésite pas, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je suis sûr que j'ai oublié de remplir quelque chose. Mais on va voir comme ça. Allez, donc on sort de là. Non, c'est pas ce que je vais dire. Voilà. On va l'amener pour laver l'intérieur, parce que l'intérieur est crado. Ouais, super. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. 71. Pff, moi, je suis toujours level 25. Si tu dois y passer un temps fou, c'est ouf. Je sais pas comment tu fais pour passer, pour être aussi haut level. C'est un truc de malade. Vraiment, GG à toi. Un gros GG à Monsieur Bozo Game, l'expert de Car Mechanic Simulator, clairement. Donc ça, c'est bon. L'extérieur, normalement, il me semble que j'avais déjà fait. Voilà. Trop, trop beau. Mais moi aussi, en fait. Moi aussi, je vendais parce que j'avais plus assez de place. Mais si on peut les garder, c'est cool. On va passer au banc d'essai pour régler le parallélisme. Voilà. Hop. Bon, il y en a bien besoin. Il y en a bien besoin. Ouais, elle est super belle cette voiture. T'as raison, André. Voilà, nickel. Alignement des phares. Tant qu'à faire, même si ça... j'ai remarqué qu'alignement des phares, ça apporte absolument rien en termes de revente. Voilà. Donc ça sert un peu à rien de le faire, mais bon. Je préfère. Je trouve ça mieux. Ah, mécano-moto, super ça. Super, super. Bah ouais, ça c'est... Si t'as la passion, c'est clair que ça fait plaisir. Et puis, alors, la cabine de peinture, on va la repeindre. Alors, la grosse question c'est, est-ce qu'on la peint en orange? Ou est-ce qu'on se fait une peinture plus classique? Parce que, évidemment, bon, voilà. En noir, ouais, c'est souvent en noir hein, qu'on a ces versions. Et il y a... Ah, comme ça, la 4 Turbo S. Oh, mais oui. Mais oui, oui, oui. Mais oui, oui. Turbo S en blanc, comme ça. J'ai envie... Ah oui, j'ai envie de faire un orange, mais là, pour la première, je pense qu'on va plutôt partir... Alors, pas sur du chrome, mais je pense qu'on va plutôt partir sur quelque chose de... qui respecte un petit peu le... On a fini la part chouette. Mais elle est finie là normalement. Mais ouais. Je pense que. Après, c'est vrai qu'en orange. Elle aurait quand même une très. Mais non, on va la faire. Je suis connecté, c'est bon. J'ai mon micro encore qui s'est déconnecté. On va peut-être la faire plutôt verte. Un beau vert foncé. Presque noir. Je sais pas ce que vous en pensez. Presque noir. Est-ce qu'on la mettrait pas soit nacré comme ça? Vous en pensez quoi? Ou est-ce que carrément je la fais en orange?
Pas de couleur faint. Ah, attendez, là c'est trop sombre, on voit plus. Ouais, c'est pas top. C'est pas ce qu'il y a de mieux, vraiment. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je les referai comme il faut. Après, c'est avec un petit. Ouais, bof le vert. Un petit orange. Un petit orange mat caméléon. Ah, j'aime bien comme ça. Ah, j'aime bien comme ça. Allez, bonne soirée Damien. Bon allez, c'est pas grave, on la prend comme ça. Mat caméléon orange. Et je pense que vous m'avez peut-être un peu convaincu pour les pneus. L'avant ça passe encore, mais l'arrière ça va vraiment pas. Donc on va se permettre. Allez, on va le faire très rapidement. On va prendre un peu de déport pour l'arrière. Celle-ci, je les mettrai sur une autre Porsche. Je les mettrai sur une autre Porsche. Alors là, par contre, j'ai besoin de votre guidance. Donc on a dit c'est 964, donc ça va être par là-bas. Voilà, RS 2, tu peux passer en 25 en 20 si tu as du 20 pouces. Je vais mettre du 20, effectivement. Je vais mettre un peu de déport, juste 10, je pense que ça sera pas mal. Voilà, et les pneus, on va reprendre ceux-là, 2 en 20. On va les remettre à fond, peut-être un poil moins, et on va le mettre en 30, 25 ou 20, allez bon, 25, ok, allez, on va les faire, voilà, puis un peu de déport, ça fait joli aussi. Hop. Ah non, c'est pas... Je voulais les faire en noir. On va les peindre en noir. Ça va demander tellement... Bon. Vous avez 10 minutes de plus. Ah bah ouais, j'ai mis 25 du coup. Ah bah mince, c'était pas celle-ci que je vais faire. Bon, voilà. C'est pas de souci, à mardi Noah. Bonne soirée, merci beaucoup. On va sortir aussi celle de devant, on va tout faire en noir. Hop. Ouais, en noir, ça, je pense que ça va être pas mal. Allez, on passe à l'atelier peinture. Hop, la petite porte. Ah, peut-être qu'elle n'y est pas encore. T'es sur Xbox, hein? Peut-être qu'elle n'y est pas encore sur Xbox. C'est peut-être pour ça.
Alors, donc on a dit les deux à des ports de 10. Est-ce qu'on fait du noir ou est-ce qu'on fait une autre couleur? T'as vu un pourcentage par rapport à l'âge de pneu. D'accord, ok. Impossible. Hein. Est-ce qu'on les fait orange aussi les jantes? Parce que comme ça on peut voir le symbole. Ou est-ce qu'on les fait en noir? Dites-le moi. Orange ou noir? À vous de choisir. Dites-moi ça. Donc soit orange, soit noir. C'est un noir métallisé. Donc soit, allez, soit un noir métallisé, soit ou noir mat. Oh, je sais pas. Ouais, noir mat, soit orange. Orange mat caméléon, je trouve très très belle. Je pense que ça irait vraiment pas mal. Donc il y a Seb qui dit noir. Noisette qui dit orange. En noir. Noir et tri orange. Ah ouais, ça on peut faire aussi. Noir et tri orange. Le seul truc, c'est qu'on verra pas le symbole au milieu, mais bon. Allez, ça me paraît pas bête comme idée. Ça me paraît pas bête. Allez. Noir mat pour les jantes. Désolé, noisette. Mais on va faire du coup les étriers en orange. Donc, alors, la première en déport de 10. La deuxième en déport de 10. Non, ah, ça, je me fais avoir. Je me fais avoir une fois sur deux. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Voilà. Noir mat. Et après, n'importe quelle jante. Parce que c'est toutes les mêmes, voilà. Merci Audrey, c'est très gentil. Mais ça va venir, ça va venir. Tant que les gens aiment ce que je fais, ben, petit à petit ça va venir. Après, n'hésitez pas, voilà, à liker, partager, vous abonner. Partagez les vidéos aussi, hein. Je pense qu'on le fait pas forcément souvent. Mais si vous les partagez sur vos médias sociaux, et ben ça fait. Ça permet aussi d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent voir mes vidéos, s'abonner, etc. Est-ce que j'en ai déjà des étriers B, 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 C? Non. Si, j'en ai. Mais j'en ai pas assez. Alors attendez, on va racheter des étriers. Ça m'évitera d'aller les démonter, etc. Les 10 000, ouais, direction les 10 000. Ça devrait arriver. Ça doit arriver. À un moment ou à un autre. Allez. Et on a dit. Ah, rouge Ferrari. C'est un peu tard, William, pour le rouge Ferrari, là. On a dit orange. Ah, on l'a plus. Alors. Je me rappelle jamais. C'est ça, le orange, hein, sauf celui-là. Ça, c'est rouge. Ça, c'est jaune. Ou ça, c'est encore rouge. Là, j'ai du mal à voir, moi. Attendez. En mat caméléon. Dites-moi, est-ce que ça c'est... Ouais, ça a l'air d'être orange. J'ai tellement de mal avec les couleurs, je suis désolé. Non, ça c'est orange, ça c'est jaune. Ça c'est jaune. Ça c'est orange. C'est super Patrice, merci beaucoup. Je pense que ça c'est orange. Franchement, là c'est au niveau daltonisme, c'est le pire qui puisse m'arriver. Ça, ça a plus l'air jaune, ça je pense que c'est orange. Si on le met, ouais, en chrome, pour que ce soit plus pétant. Ouais, c'est bon, allez. Attends, du coup, est-ce que j'ai fait le bon? Non, j'ai pas fait le bon. J'ai pas fait le bon, j'ai fait en jaune, j'ai fait comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je viens de refaire encore une fois la même... Oh là là. On a dit c'est comme ça. Voilà, donc là j'ai sélectionné, et là, voilà, là c'est orange. On va y arriver. Allez, celui-là. Hop, voilà, c'est plus rapide. Hop.
C'est bon, bon, bah merci. Merci de m'aider, c'est gentil. Hop. Ouais, j'avais dit que j'allais pas faire de peinture pour pas perdre de temps, mais au final, c'est plus fort que moi. Allez, oh. Ça va être bon. Mon jeu préféré de tous les temps, c'est dur à dire. Forcément, j'ai vraiment, vraiment énormément accroché avec Farming, donc on pourrait dire que pour le moment, mon jeu préféré c'est Farming, mais après, il y a tellement eu de jeux épiques. Comme ça, je saurais pas te dire. Ah oui, il faut que je les remonte. Tu regardes sur écran géant, bah écoute, bonjour à tout le monde. Bonjour à toute ta famille, c'est rigolo. Hop. On enlève celui-là aussi. On va enlever celui-là aussi. Et le petit dernier, c'est celui-là. Voilà, nickel. Allez, on va monter les roues, puis après... Animal Crossing, j'y ai pas beaucoup joué. Vraiment pas beaucoup. Bah, c'est gentil. Alors, attendez, là, faut plus que je me trompe, là, parce que j'ai un peu de toutes les tailles. J'ai commencé à 17h30, le live. Attendez. Là, c'est ça avec des ports de 10. Ok. Donc, des ports 10, c'est celles qui sont à l'arrière. Donc, ça va être celle-ci. Non. Non, c'est celle d'avant. Ça va être celle-ci. 345-25. Ok. On va y arriver. Mécano professionnel. Bah, écoute, super. Salut Charlie, j'ai pas fait gaffe. J'ai commencé à 17h30. Ça fait déjà 2h, il va falloir que j'arrête. Hein. Là, il va falloir que j'arrête, ça fait trop. Des ports de 10, on a dit que c'était les 345-25. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Non, non, on va pas mettre du bleu avec du orange quand même, faut pas abuser. Hop. Et on va monter. Donc les, celles qui sont à l'avant. À l'avant, on a dit que c'était celle-ci, en 30. Ouais, bah écoute, n'hésite pas, Charlie. Hein. N'hésite pas, avec plaisir. De toute façon, tu sais que je mets tout le temps les rediffs. Et voilà, c'est celle-ci. Alors, pour commencer à les équilibrer. Ça marche, c'est gentil, noir. Hop, on fait celle-ci aussi. Ça va, celle-ci, c'est plutôt simple. Ah, mais tu vois, c'est l'avantage là sur. Quand t'as pas énormément de monde, tu peux arriver à répondre à tout le monde. C'est ça aussi. Des fois, t'as tellement de monde qui parle que quand tu fais ton live, tu vois pas vraiment qui a dit quoi. Moi, j'essaie de faire attention à ça. Hop là, allez. Le déport, c'est celle-ci. Ah ouais, franchement, là, ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'ai mis trop large, oui, bah oui, mais... c'est pas grave. Au moins, ça va bien tenir la route, y'a pas de soucis. Regarde, ça va, ça dépasse à peine. Ça dépasse à peine. Et là, j'ai oublié de mettre... Non, je l'ai mis. Je l'ai mis l'étrier. Là, j'ai mis le tri orange. Là, j'ai mis les trios orange. Hop. Là aussi, nickel.
Déport 0. Ok, Noah, si tu le dis. hop. Salut Jérém, yes. Salut Jérém. Un petit like, ouais, oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Ah, là, ils auraient pu prévoir quand même. Ça manque de vis, soit en inox, soit vis noir, hein, c'est dommage. Oh là là, elle tabasse. Non, ça y est, franchement, là, je suis plutôt content. C'est pas parfait, c'est clair que c'est pas parfait, mais je suis franchement content. Allez, on va passer au banc de puissance. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est ça qui est dommage, et en fait, pour que ça ressorte, j'aurais dû prendre plutôt les jantes, pas de la RS, de l'autre. Celles de l'autre, elles sont en couleur. Tu vois, regarde. Elle est superbe, hein. Oui, c'est le DLC Porsche, Jérém. Tu vois, là, elles sont en couleur, donc en fait, j'aurais dû prendre les jantes à 964. Mais franchement, là, ça fait roots, quand même. Hein. Ça fait... elle tabasse, hein. Elle tabasse grave. Et ils sont tout petits, les étriers, oui. Ah non. C'est quoi toutes ces questions personnelles? Attends, mon film préféré. Si, je vais te répondre quand même. Ça dépend. J'ai beaucoup aimé Matrix. Mais mes films préférés, ça va être Seigneur des Anneaux, ça va être Harry Potter, tout ça. J'adore, j'adore. Non, non, c'est 5,99€, Jérém. Le DLC Porsche. Mon plat préféré, j'aime bien tout ce qui est plat bien préparé, lasagne, tartiflette, tout ça, j'aime beaucoup. Et là, par exemple, juste après, je vais faire des petits boudins blancs aux pommes, et ça, j'aime beaucoup aussi. 661 chevaux, tu vois, ouais, j'en étais sûr, hein. C'est pas ouf. C'est très bien, mais c'est pas ouf. Allez, vous savez maintenant ce qu'il nous reste à faire. C'est ça, ça. Ah, la raquette aussi, bien sûr. C'est pas ouf non plus les bruits. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de quand même beaucoup mieux. L'anneau de vitesse. Bah oui, je sais que t'as joué à GTA Trilogy. Eh oui, évidemment. Ah oui, dans les jeux. Bah après, il y a tout ce qui est Red Dead Redemption. Ouah, ça carbure. Tiramisu aussi, c'est bien. Elle est nerveuse, hein. Mais je pense qu'on va faire un rupteur, logiquement, voilà. On fait le rupteur à 335. Donc, alors moi, ce que je fais maintenant, et ce que j'ai trouvé qui est plutôt pas mal comme méthode, j'ajoute une vitesse, je modifie un peu la première pour qu'elle soit un peu plus longue, pour pas que ça fasse du rupteur. Donc là, on avait la première et la deuxième qui est au rupteur. Et après, je change mon... comment ça s'appelle ? Les pourcentages de rapport. Boudin aux oignons. Ouais, mais toi, c'est les boudins noirs, toi. Un boudin noir, moi, j'aime pas du tout. Mais boudin blanc aux pommes, c'est une tuerie. C'est franchement une tuerie. Si un jour tu viens dans le coin, Jérém, je t'en ferai. Tu verras et je pense que j'arriverai à te convaincre. Allez, on passe au 6. Voilà, c'est le ratio final, c'est ça. Donc, on passe à 6. Là, on va mettre peu importe. En initial, je monte un petit peu tout ça. Je vais le monter à... Ouais, à peu près à 120, truc comme ça. Ça, je le monte un peu à 150, 160. Celle-ci, comme ça. Et là, on va la mettre à... Ah oui, mais oui, c'est sûr qu'il faut aimer le sucré salé. Ah mais oui, c'est vrai que toi, t'aimes pas trop le sucré salé. On va mettre comme ça, ça me paraît pas trop mal. Ratio final, on va baisser un petit peu. Tout en ayant... Oups. Voilà, on va faire comme ça, on va voir. Qu'est-ce que ça nous donne? Hop. Toi, t'aimes le poisson plutôt, Audrey? Ouais, je suis pas trop poisson, à part dans les sushis. Ça, c'est les sushis, je surkiffe ça. J'aime beaucoup. Alors... Ah non, ça. Premier rapport, pas terrible encore. Peut-être monter encore un peu. Mais après, il n'y a que 660 chevaux. Vous imaginez un peu.
Ouais, je pense que ça peut être ça. Je pense que je vais en avoir deux garés. Eh, hey, elle monte quand même à 400, hein. Oh purée. Yes. Ah bah 409 km. Alors écoutez, ça me va. Je suis sûr qu'on peut la faire monter à plus, effectivement. C'est vraiment une très bonne voiture de course. À mon avis, je vais la garder pour essayer de me faire mon record du circuit. Vous savez, il y a un... Là, c'est un autre vitesse. Mais il y a aussi le circuit. On va pas le faire, mais il y a aussi un circuit. Je pense que je la garderai pour essayer de me faire mon record avec cette voiture-là. Bah écoutez, voilà. On va voir combien est-ce qu'elle peut nous rapporter. Et puis, on va finir là-dessus. Parce que je pense que ça va être pas mal. On va la déplacer devant le garage, effectivement, à côté du TLX. Alors, quand tu veux, 80%, ça arrive. Voilà. Mais ouais, c'est sacré Porsche. Après, le seul truc que je trouve dommage, c'est que... Alors, E-Type, machin... Hop là. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas... Il n'y a pas le bruit. Parce que honnêtement, c'est pas du tout un bruit de Porsche, hein, ce qu'on a entendu. Pas du tout. Donc, on a notre TLX ici. Je pense qu'on va la garder juste à côté. Oh, elle est belle. Porsche, ils savent faire des voitures. Ça, il n'y a pas de souci. Sur la ligne, quoi. En plus, elle est vieille, quoi. 993. Vous imaginez, 1993. Et pourtant, elle dépote. Alors. Combien est-ce que... Donc, toi, tu dis 150 000, Bozo Game. Alors, je sais que tu t'y connais, donc probablement. Là, je suis un peu déçu. Moi, j'aurais pensé un peu plus. Mais... Hey tu disais combien, Bozo? Oh la vache! Bon, alors, je retire ce que j'ai dit. Si vous voulez vous faire du fric, vous achetez une Porsche et vous la boostez au max. Parce que là, 305 000 euros, je suis jamais allé autant. Jamais. J'ai jamais atteint 305 000 euros. Même avec la Lambo, je suis pas arrivé à atteindre 305 000 euros. C'est un truc de malade. C'est trop bien. Bah écoutez, je vais la garder, hein. De toute façon, et je comparerai comme ça avec celle qui est pas RS. Enfin, avec la RS, parce que c'est la Turbo. Je comparerai avec la RS pour voir laquelle se vend plus cher. La Carrera GT, la GT aussi. De toute façon, je vais tous les faire. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce soir. C'est doublé par rapport à 2018. Bah ouais, tu vois, c'est pour ça qu'il le faut le DLC du coup. Le mec a un avantage. C'est tout pour ce soir, j'espère que ça vous a plu. Au niveau des lives de Car Mechanic Simulator, je pense que j'en referai pas malheureusement avant un petit moment parce qu'il y a Farming Simulator 22 qui arrive et ça va être juste la folie. J'en referai peut-être à l'occasion s'il y a un autre DLC qui sort, mais d'ici là, il n'y en aura pas. Je vais jouer de mon côté, ça y a pas de souci, mais je me réserverai mes temps de live que j'aurai à disponibilité pour Farming Simulator 22. Je pense que vous le comprenez bien amplement. Oubliez pas non plus les likes, les abonnements, tout ça. Moi, je vous remercie beaucoup, ça a été super fun. On a été un petit comité, mais qui était voilà, bien actif, et donc ça fait tout de suite plaisir. On se donne effectivement, comme le dit Noah, rendez-vous mardi prochain pour FS19. Rendez-vous à 18h30, soyez bien présent pour le dernier épisode ou l'avant-dernier selon si j'en fais un autre dimanche d'après pour le FS19, pour le Platinum, pour arriver à obtenir tous les trophées. Merci à tous, merci beaucoup. Tu cours acheter le DLC du coup, je t'ai convaincu, tu vois. Ben voilà, ils devraient me sponsoriser, ils le font pas, c'est dommage. Allez, merci à tous, merci Noah, merci Audrey, merci Bozo Game. Merci Noisette, merci beaucoup. Bonne soirée, merci Jérém. Toi aussi tu vas l'acheter Jérém, bah écoute avec plaisir. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas jouer en multijoueur. J'adorerais qu'on puisse jouer en multijoueur à ce jeu, franchement ça serait trop bien. Avec toi Bozo et avec Jérém, on se ferait des grosses parties. Avec aussi, qui c'est qui m'a dit tout à l'heure qu'il l'avait, Patrice aussi qui l'avait. Voilà, ça serait super sympa d'être à 3-4, chacun avoir sa voiture à l'intérieur sur les ponts. Voilà, un qui s'occupe de la carrosserie. Non franchement ça serait trop bien, je suis dès que ce soit pas le cas. Allez, merci à tous, bonne soirée, bon appétit, et puis à très bientôt. Ciao, ciao!